sommes sur TV et Radio de Vie donc je pense que tout est ok nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie que Dieu soit béni pour votre présence nous sommes très très joyeux et euh, voilà donc le de devait être là ce soir donc euh, et euh, on a comment dire je lui ai demandé si je pouvais terminer cet enseignement sur euh, faire cet enseignement sur la Trinité donc on s'est organisé et il sera là certainement euh, enfin prochainement que le Seigneur soit béni comme euh, et en ce moment, le Seigneur nous pousse beaucoup à partager des choses bien précises. Voilà, nous voulons davantage euh, éclaircir, éclairer les enfants de Dieu avec la parole, parce que les temps sont difficiles, comme vous le savez. Et euh, la doctrine de, de Christ est de plus en plus combattue, euh, voilà, rejetée et menacée. Et nous devons davantage nous lever pour proclamer cette parole. En tout cas, merci aussi à Ludovic, un hein, petit coucou ce soir chez toi pour... Euh, voilà, ton soutien. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour, Papa. Et ce... Merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour mes frères et sœurs qui sont chez eux, qui aiment ta parole, qui aiment ta vérité, Père, notre Dieu. Nous voulons t'honorer en toutes choses. Nous voulons te dire merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour les défenseurs de la sainte doctrine. Merci pour les hommes et les femmes que tu as suscité dans le monde entier dans ces temps derniers, Seigneur, pour défendre la vérité. Et nous venons, Seigneur, tous ensemble avec tes enfants, nos frères et sœurs, dans les nations, Seigneur, nous unir autour de ta parole, autour de ta vérité. Pour, Seigneur, Alléluia, proclamer haut oh, et fort ton retour, Seigneur imminent. Nous proclamons haut oh, et fort notre appartenance à ton royaume, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Béni soit ton nom, Adonai, Dieu d'Israël. Au nom de Yeshua, nous te prions. Dieu d'Israël, Amen. Voilà, bonsoir à tout le monde, bonsoir. ça fait plaisir. Que on est au front en ce moment et comme souvent le cas, comme d'habitude, hein, mais là, c'est aussi encore plus parce que, mes amis, il faut défendre la saine doctrine. Voilà, donc euh, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Donc, je pense que avant-hier, hier, nous avons été, vous avez été beaucoup encouragés par euh, les choses que le Seigneur a fait, n'est-ce hein, pas et, Dieu est fidèle, comme Paul nous dit dans les Écritures, notamment dans le titre 1,9, que les, les anciens, un ancien doit être capable de réfuter les contradicteurs et les contredisants, et notamment de fermer leur bouche avec la parole. Voilà. Donc, et il euh, y a une doctrine, une doctrine, je dirais, la doctrine principale. Il y a une doctrine qui est devenue la doctrine principale du christianisme. Et, euh, et cette doctrine que beaucoup connaissent, hein, euh, la Trinité, et qui s'appelle la Trinité, et, euh, et euh, elle est devenue, n'est-ce pas, le socle du christianisme, euh, 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 voilà, du christianisme tout simplement. Et je tiens à préciser, frères et sœurs, vous qui aimez la vérité, le christianisme, le Seigneur Jésus-Christ ne l'a pas, n'est-ce pas, euh, bâti. Le Seigneur n'a jamais dit qu'il allait bâtir le christianisme. Il a dit dans Matthieu, 18, Matthieu 16, 18, qu'il allait bâtir son Église. Yeshua n'était pas venu pour bâtir le christianisme. C'est quoi le christianisme C'est un ensemble de dogmes, un ensemble de traditions, n'est-ce pas, et euh, d'hommes et euh, et euh, qui sont, n'est-ce pas, imposés aux uns aux autres, qui nous sont imposés depuis, n'est-ce pas, le troisième siècle. C'est-à-dire 300 ans après Jésus-Christ, le christianisme va être engendré dans l'utérus du catholicisme romain. Et euh, ce christianisme, bien évidemment, Paul ne l'a pas connu, Pierre ne l'a pas connu, Jacques ne l'a pas connu, les premiers chrétiens non plus. Et euh, il est né tout simplement dans le cœur, n'est-ce pas, d'un seul homme, accompagné bien sûr des plus de 315 évêques catholiques, c'est-à-dire Constantin, voilà, premier. Et euh, voilà comment ce christianisme, mes amis, euh, va se, se, se développer et, euh, et engendrer, comme vous le savez, plusieurs autres dénominations et euh, nous avons tous euh, nous sommes nés dans ce christianisme hein, donc la plupart d'entre nous et euh, nous y avons grandi donc euh, pour moi par exemple euh, de ma part je suis né dans une église pentecôtiste et euh, ensuite j'étais chez les baptistes donc on a sillonné un peu ici là chez les témoins de Jéhovah pour chercher un peu la vérité tout ça parce qu'on avait parce qu'on a soif parce qu'on avait soif du Seigneur on a toujours et euh, et à en force de prier, d'étudier, de faire des recherches, on s'est vraiment aperçu qu'il y a beaucoup de choses, comme vous le savez, qu'on nous enseigne, qu'on nous a enseigné hier, qu'on nous enseigne aujourd'hui, et qui n'ont aucun fondement, bien sûr, biblique. Pourtant, ces choses sont devenues fondamentales. Et l'une d'elles, comme vous le savez, justement, c'est la Trinité. La Trinité. Un mot, déjà pour commencer, qui n'existe pas, donc un nom qui n'existe pas dans les Écritures. Le mot Trinité, comme vous le savez, n'existe pas dans les Écritures. Pourtant, cette doctrine est devenue, n'est-ce pas, fondamentale. Alors, il y en a qui vont dire et oui, même si le mot euh, Trinité n'est pas, n'est-ce pas, euh, scripturaire, n'est pas biblique. Toutefois, n'est-ce pas, la notion en est évidente. La notion de la Trinité est euh, explicitement, n'est-ce pas, euh, développé, euh, présenté, dans, euh, présente, donc, euh, dans les Écritures. Et euh, même quand on regarde, c'est vrai dans les Écritures, quand on regarde profondément dans la, dans la Bible, dans les Écritures, on ne voit effectivement nulle part cette notion, n'est-ce pas, soi-disant, de la Trinité qui est défendue de plus en plus. Et vous savez également que et, euh, depuis que cette doctrine, depuis que le christianisme notamment a été mise en place, donc, c'est-à-dire au Concile de Nicée en 325 en Bithynie, et euh, au Conseil de Nicée Donc, et euh, depuis que cette n'est-ce pas doctrine a été mise en place, et euh, toutes les personnes qui sont contre la Trinité sont d'office taxés d'hérétiques, de sectes, de gourous, de faux prophètes, de faux chrétiens. Pourtant, frères et sœurs, vous qui aimez le Seigneur, vous qui aimez la vérité, vous ne verrez nulle part dans la Bible où il est spécifiquement, comment dire, il est spécifié, où il est n'est-ce pas explicitement déclaré si quelqu'un ne croit pas en la Trinité et sectaire, il n'y a aucun verset qui le dit. Nous, nous sommes le peuple du livre. Nous, chrétiens, nous sommes le peuple du livre. Donc, nous fonctionnons en fonction de notre livre, c'est-à-dire les Écritures, la Bible, la parole de Dieu. Et euh, nous devons, comme Paul le dit, euh, rejeter les choses, n'est-ce pas, qui se font dans le secret, les choses, euh, les choses honteuses. Et euh, nous devons rejeter, bien sûr, toute doctrine qui n'a aucun fondement biblique. Alors, je voudrais euh, euh, qu'on commence avec un passage euh, capital, un passage clé. Et euh, dans le livre de Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4. Nous lisons à partir du verset euh, à partir du verset 20. Voilà, donc là, bien sûr, les questions de, de l'entretien de, de Yeshua avec la femme samaritaine. Et euh, donc le verset 19 nous dit, la femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es, tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, Femme, crois-moi, l'heure vient. Où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous, n'est-ce pas, adorerez le Père. Regardez le verset 22. Donc, euh, quelqu'un pourra-t-il nous le lire Je vais le lire. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Voilà. Donc, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. N'est-ce pas Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Ju des Juifs. Alors, c'est clair, cette parole de Yeshua est capitale. C'est vrai qu'il y a des gens qui adorent Dieu alors qu'ils ne le connaissent pas. D'accord Sans le connaître. Mais pourtant, ils adorent Dieu. Ils sont sincères dans leur adoration, dans leur culte. Mais pourtant, ils ne connaissent pas Dieu. Et Yeshua dit, nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Or, on ne peut pas véritablement adorer Dieu sans le connaître. Si on ne le connaît pas, c'est impossible. D'accord Pourtant, les samaritains adoraient Dieu sans le connaître. Et je me suis aperçu effectivement dans notre christianisme actuel, de nombreux chrétiens adorent Dieu sans le connaître. Et on nous a appris à adorer justement une triade, à adorer une, un Dieu trinitaire, une trinité. Pourtant, Yeshua dit, nous, nous qui Nous, c'est-à-dire les juifs. Et il le dit, car le salut vient des juifs il ne parle pas des juifs, euh, comment dire, il ne parle pas des pharisiens, il ne parle pas des sadducéens qui étaient complètement à côté de la plaque, n'est-ce pas, qui étaient, euh, qui étaient méchants, qui étaient racistes, tout ça, nationalistes, il ne parle pas de. Il parle des juifs qui croyaient en Moïse, parce que les pharisiens ne croyaient pas en Moïse. Yeshua leur dira si vous croiriez, si vous, croyez, si vous, vous aviez foi en Moïse, hein, vous auriez foi en moi. D'accord Donc si vous aviez foi en Moïse, vous auriez foi en moi, parce que Moïse a écrit sur moi. Il a écrit de moi. D'accord Et euh, c'est de moi dont il est question dans Moïse. Donc en fait, les pharisiens ne croyaient pas en Moïse. Parce que ceux qui, ont donné, ceux qui ont cru en Jésus, ce sont ceux et celles qui avaient cru en Moïse. Parce que Moïse avait annoncé l'avènement du Machia. Donc quand Yeshua parle de nous en parlant des Juifs, il parle des Juifs qui, n'est-ce pas, aimaient Dieu, qui croyaient en Moïse et qui obéissaient à la loi mosaïque. C'est-à-dire cette loi qui disait justement qu'il fallait aimer son prochain comme soi-même. N'est-ce pas Dans Lévitique 18. Alors, frères et sœurs, vous voyez que Yeshua dit que les Juifs adoraient, donc en parlant des vrais Juifs, bien sûr, des vrais, n'est-ce pas, enfants d'Abraham, il dit qu'eux, ils adorent le véritable Dieu, parce qu'ils le connaissaient. Et quel est ce Dieu que Jésus-Christ homme, je ne parle pas de Jésus-Christ Dieu, mais Jésus-Christ homme adoré, parce qu'il est à la fois homme et Dieu, d'accord Et quel est ce Dieu que Jésus-Christ adorait parce qu'il dit qu'eux, ils le connaissaient. Et il le connaissait comment? Est-ce qu'il le connaissait en tant que Trinité ou en tant qu'un un Dieu, un seul Dieu? Mm -hmm. D'accord? C'est là la question à laquelle, euh, n'est-ce pas, il faut répondre. Nous sommes dans Marc, chapitre 12. Marc, chapitre 12. Et euh, quelqu'un va, bien évidemment, si c'est possible, nous lire. Et. Euh, et nous sommes dans Marc, effectivement. Marc chapitre 12, à partir du verset 27. Euh, oui, 12, 28 à, n'est-ce pas, 30, à 34. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est allumé C'est parfait. Alors, je veux dire. Un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda. Quel est le premier de tous les commandements Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Donc on peut s'arrêter là-dessus, merci. Et le scribe, par la, par la suite, hein, au verset 32, il dit quoi, pardon Verset 32, et le scribe lui dit Maître, tu as bien dit, selon la vérité, qu'il y a un seul Dieu et qu'il n'y a qu'il en a pas d'autre que lui. Ah, tu as bien répondu, car Dieu est un, un et il n'y a pas d'autre que lui. Donc, le scribe, un scribe, c'est qui un scribe C'est un, un lettré. Hein? Le scribe, ce scribe est un lettré, c'est-à-dire un homme de lettres. D'accord Quelqu'un qui, qui est un écrivain, hein? un secrétaire. Quelqu'un qui, un copiste, quelqu'un qui travaillait beaucoup avec la, avec la, avec la, la plume, n'est-ce pas, avec la lettre, les lettres, et euh, qui écrivait beaucoup. Et euh, ce scribe était versé dans la loi de Moïse. Il connaissait la loi de Moïse. Et il pose la question au Seigneur quel est le plus grand de tous les commandements Le premier de tous les commandements. Et Yeshua dit voici le premier commandement. Écoute Israël. Yahweh, notre Dieu, Yahweh est un. D'accord? Et ensuite il dit Tu aimeras le Seigneur. Donc ça veut dire qu'on on ne peut pas aimer Dieu véritablement si on ne le connaît pas. Donc voyez que la révélation de, de Dieu un est importante pour pouvoir l'aimer. Avant que Yeshua nous dise qu'il faut aimer Dieu, il a d'abord commencé par parler de la nature de ce Dieu. Et il n'a pas dit qu'il est trinitaire. Il a dit que, écoute Israël, ici c'est le chemin. Donc on connaît tout ça. Donc c'est Deutéronome 6. Donc chemin Israël, Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Donc chemin Israël, le tétragramme, donc yod heh Wav, et tout ça et un. Shema Israël, écoute. Shema, en hébreu, signifie écouter et comprenez. D'accord C'est pas seulement on a, entendre, mais entendre, écouter et comprendre. D'accord C'est ça le shema. Et celui qui, a, qui a parlé de, du chemin pour la première fois, c'est Jacob, dans Genèse 49. Avant de mourir, il a rassemblé ses enfants. Il leur a dit Shema Israël, votre père. D'accord « Écoutez Israël, votre père. » C'est nécessaire, c'est important. Donc, euh, et, euh, et pareil, à Ézéchiel, Dieu dira de dire aux ossements de séchés d'écouter la parole de Dieu. C'est chemin, toujours. D'accord Et là, Yeshua dit aux scribes, « Avant d'aimer Dieu, il faut d'abord que tu comprennes que Dieu est un. Parce que si, si Dieu est trois, tu auras du mal à, 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 à les aimer. Tu ne peux pas aimer trois personnes pareillement. » Oh. D'accord oh, 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 Alléluia. Oh, ben. Alléluia. Oh. Dieu est jaloux. Il dit dans Esaïe, je ne donnerai pas ma gloire hein, à un autre. Donc, Yeshua dit, tu aimeras, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur. Mais quel Seigneur Celui qui est un. Il n'a pas dit que tu vas aimer les trois dieux, n'est-ce pas? Il dit tu vas aimer le Seigneur parce qu'il est un. Shema Israël, notre Dieu est un. Pourquoi Yeshua va dire cela? Parce que, d'abord, pourquoi Dieu va demander, va-t-il demander à Moïse, et pourquoi Dieu va-t-il révéler à Moïse le chemin dans Deutonome 6, 6,4? Parce que Dieu savait que les Hébreux allaient entrer dans un pays où. Il y avait plusieurs divinités qui étaient adorées. Baal, Astarté. Les Cananéens priaient. avaient plusieurs divinités. Même, on va prendre par exemple, même Abraham lui-même. Il a été, il est, il est, Dieu l'a sorti de la Mésopotamie, d'accord. La Mésopotamie c'est euh, la Babylone, euh, comment dire, euh, l'Assur, la, 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 la donc euh, Assyrie. tout ça. Et, euh, et Dieu a sorti Abraham de Babylone, pourquoi Parce que qu'il priait plusieurs divinités. Nous sommes dans euh, Josué 24. D'accord Nous sommes dans Josué 24, frères et sœurs, vous qui aimez la vérité, euh, Dieu ce soir va démonter encore hein, cette doctrine de la Trinité qui est complètement démoniaque, qui nous présente un Dieu avec trois têtes différentes, et, euh, et on veut nous faire croire que non, il y a qu'une seule tête. Non, trois, c'est trois, trois, ce n'est pas un. Donc il faut pas se voiler la face. Voilà. Nous sommes dans Josué 24. On peut commencer à partir du verset 1 Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges, ses officiers, qui se présentèrent devant Dieu. Et Josué dit à tout le peuple, Ainsi parle Yahweh, le Dieu d'Israël. Vos pères Terak, père d'Abraham et père de Nachor, ont anciennement habité de l'autre côté du fleuve où ils servaient d'autres dieux. Mais j'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliais sa postérité et lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü, et je donnais à Ésaü le mont de Seir pour le posséder. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Puis j'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis donc sortir vos pères hors de l'Égypte, où vous arrivâtes à la mer. Ok, on peut s'arrêter là. Donc on voit bien ici que Dieu commence par rappeler aux enfants d'Israël d'où il les a sortis. N'est-ce pas? D'où il a sorti leur ancêtre, Abraham. Dieu l'a sorti de la Mésopotamie où il y avait plusieurs divinités qui étaient adorées. Et Yahweh se révèle à lui comme étant le seul Dieu, le seul et l'unique véritable Dieu, Yahweh. D'accord? Et maintenant, Yeshua, quand il dit à la femme samaritaine Nous, nous adorons celui que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Pourquoi Parce que Dieu s'est révélé aux Juifs comme étant le Dieu Un. Pour que les Israélites soient le seul peuple sur la terre qui proclame, qui prof... annonce, qui présente le Dieu Un, un Dieu Un, 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 un et unique, contrairement à d'autres nations qui prient plusieurs divinités le Dieu de la lune, du soleil, euh, de la nature, tout ça. Euh, le Dieu de la, de la lune, du soleil, tout ça. Et là, les Hébreux devaient proclamer le Dieu unique, présenter au monde le Dieu unique. Voilà pourquoi Yeshua dirait à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, parce que si vous connaissez ce Dieu, vous les samaritains, vous n'adorez pas autant de Dieu. Parce que qui étaient les samaritains, les samaritains? Quand on lit Deux rois 17, on voit que Salmanazar 5, roi d'Assyrie, arrive en 722, n'est-ce pas, à... à, à, à en Israël, à l'époque euh, Israël était séparé en deux, il y avait un royaume au nord dont la capitale était la Samarie avec les dix tribus, un royaume au sud dont la capitale était Jérusalem, dont, euh, donc il y avait avec les deux, deux tribus, Benjamin et Judas. Et en 722 avant Jésus-Christ, donc au 8e siècle, Salmanazar V, roi d'Assyrie, arrive à, 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 à Samarie avec une grande armée et il va, n'est-ce pas, déporter presque les dix tribus, a, presque tout le monde. Il a, il a laissé un petit peuple seulement parmi les Juifs. Et il les a déportés en Égypte, en Assyrie, à, à Babylone, ici et là. Et il a pris quelques Babyloniens, quelques Assyriens, tout ça, quelques Égyptiens, et il les a amenés, n'est-ce pas, en euh, Israël. Et il y a eu un mélange. Donc les Samaritains étaient des métisses. Il y a eu un mélange. Entre ce petit noyau des de, 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 de Juifs qui étaient restés en Israël, avec des peuples venant des pays, euh, des nations païennes. Et ça a donné les Samaritains. Et effectivement, chaque peuple était venu avec ses divinités, avec ses idoles. Donc, ces, ces Samaritains, justement, ces métis, commençaient à prier toutes ces divinités. Et Yahweh était pour eux l'une des divinités qui étaient adorées. D'accord D'ailleurs, même Dieu les a frappés et ils ont dû, n'est-ce pas, Salmanazar, roi d'Assyrie, a dû envoyer quelques gens, quelques prêtres pour enseigner, donc des juifs, pour enseigner euh, aux samaritains le vrai Dieu. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Donc voilà pourquoi Yeshua a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, parce qu'en fait, ils adoraient plusieurs divinités. D'accord Donc... Euh, et, euh, et voilà pourquoi Yeshua dit, Yahweh est un, Dieu est un. C'est la, la bouche de Jésus-Christ de Nazareth qui le dit. Moi, je préfère croire en Jésus plutôt que de croire aux pères de l'Église qui, qui ont engendré la Sainte Trinité. Je préfère croire à la parole de Jésus plutôt que la parole des hommes. Je préfère croire à la Bible plutôt que de croire, mes amis, la parole de Jésus, plutôt que de croire, plutôt que de croire, n'est-ce pas, aux dogmes, n'est-ce pas, aux écrits des Pères de l'Église. Voilà. De la bouche de Jésus est sortie cette, cette phrase. Schma Israël, Adonaï Elohénu Adonaï Hehad. 1, Dieu est 1. C'est clair, 1 c'est 1, ce n'est pas 3, ce n'est pas 4, 1 c'est 1. D'accord 1 c'est 1. Voilà. Donc euh, et euh, qu'on nous dise pas Hehad euh, par rapport à Dieu, c'est 1. Un. C'est une unité composée. Non, ce n'est pas ça, c'est pas comme l'homme et la femme qui deviennent 1. Dieu a toujours été 1. Dieu n'est pas devenu 1 suite à une euh, n'est-ce pas une addition d'autres divinités. Ça c'est une insulte. Non, c'est une insulte, mes amis. Allez présenter le Dieu de la Bible comme ça, c'est une insulte. Alors, nous sommes justement dans le livre d'Exode, de, euh, chapitre 3, verset 14, n'est-ce pas Là, c'est la base. Exode, c'est le fondement, n'est-ce pas C'est là que Moïse a reçu la loi. Et euh, c'est là que Dieu aussi s'est révélé à cet homme. Nous sommes dans l'Exode 3, donc l'appel de Moïse. Et regardez, au verset... Euh, et euh, euh, 13, par exemple. Mmh. Et Moïse dit à Dieu, voici quand je serai venu vers les enfants d'Israël et que je leur aurai dit, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent alors, quel est son nom, que leur dirai-je Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et dit aussi, il dit aussi, tu diras ainsi aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle ⁇ Je suis ⁇ m'a envoyé vers vous. Verset 15 ⁇ Dieu dit encore à Moïse ⁇ Tu diras ainsi aux enfants d'Israël ⁇ Yahweh, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est ici mon nom éternellement et c'est ici le souvenir que vous aurez de moi. De génération en génération. C'est ici mon nom, Shem. Hein? Donc euh, voilà, Shem. Et, euh, et les Juifs ont, mis, euh, ont remplacé, ils ont mis devant Shem A. Ah, donc Hachem. Ah donc le nom. Et euh, Shem. Donc Dieu dit son Shem, son nom, n'est-ce pas C'est Yahweh. Et, euh, et Yahweh est associé à Je suis. D'accord Et Moïse dit J'irai vers les enfants d'Israël, je vais leur parler de toi. Je veux leur dire que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël m'envoie vers vous pour vous délivrer. Et si jamais ils me demandent ton nom, que leur dirais-je Et Dieu dit, dis-leur, celui qui s'appelle, n'est-ce pas Celui qui s'appelle, je suis. Dieu dit, je suis qui je suis. Alors, euh, ayez, achar, ayez. D'accord Donc, ayez, achar, ayez en hébreu. Je suis qui je suis. Ouais. Alors, il faut comprendre qu'en hébreu, n'est-ce hein, pas? Les temps n'existaient pas. Dans la langue hébraïque, euh, surtout la langue hébraïque originelle, donc, euh, euh, cette langue qui est devenue morte aujourd'hui, donc l'hébreu biblique, bien sûr. Et Il euh, n'y a pas de temps. Donc, il n'y a pas de temps pré passé, présent et futur. Ça n'existe pas. Donc, il y a seulement deux notions. Il y a la notion de l'accompli et de l'inaccompli. Alors, dans la notion de l'accompli, la, de hein, donc quelque chose qui est accompli, il est question des actions. Hein, qui se sont qui, qui se sont accomplis dans le passé mais ce n'est pas le c'est ce pas le temps passé donc ce sont des c'est l'accomplissement quelque chose qui est accompli et il y a aussi dans l'inaccompli c'est des choses qui vont s'accomplir hein, euh, dans le futur mais le temps n'existe pas alors ayez à cher ayez je suis qui je suis peut être euh, euh, traduit par euh, euh, je serai je suis, donc j'ai été, pardon, je suis, je serai. D'accord Donc les trois temps. Parce qu'il n'y a que le, le présent continu. Donc c'est. Et on nous dit, comprenez bien, je suis qui je suis. Ça, c'est le nom que Dieu donne à Moïse. Tu diras celui qui. Hein, je suis qui je suis celui qui s'appelle je suis. D'abord, celui qui, euh, euh, qui est celui qui s'appelle je suis. Alors, je me répète encore. Dieu dit à Moïse :« Je suis qui je suis ». En hébreu, c'est ayez achar ayez qui peut être, n'est-ce pas, traduit parce qu'il n'y a pas de présent, passé et futur en hébreu, qui peut être traduit par « j'ai été »,« je suis » et « je serai ». D'accord Et vous verrez que, mes amis, et euh, cette expression là. A été grandement reprise dans Apocalypse. J'étais, je suis et je serai où je viens. D'accord Et nous sommes dans Apocalypse chapitre 1 Ça commence bien, Allez, mes amis. Parce que le livre d'Apocalypse est le livre du dévoilement. D'accord C'est ça, le livre d'Apocalypse. C'est le livre qui dévoile. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1, verset 4. Je vais le Mmh. Jean aux sept églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et okay. de la part De la part de celui qui est, mmh. qui était et qui vient, mmh. ou qui sera. Mmh. D'accord Qui sera. Donc, on retrouve en fait l'expression euh, hébreu dans, de, de Genèse d'Exode 3, 14. Mmh. Mmh. Ayez, achar, ayez. Et ça, c'est Dieu qui se présente comme ça. Et là, dans l'Apocalypse, on nous dit que, n'est-ce pas, Dieu est celui qui est, celui qui était, et celui qui sera ou qui vient. D'accord Et nous sommes au verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Voici, il vient avec les nuées. nuées. Donc, c'est le même Dieu qui vient avec les nuées. nuées. On continue. Et tout œil le verra, et même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se la montreront devant lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le Seigneur qui était, qui est et qui vient ou qui sera le Tout-Puissant. D'accord Ok, on continue pareil. Pour retrouver dans Apocalypse cette expression-là. Apocalypse chapitre... Je crois que c'est chapitre... Voilà. Merci Seigneur pour ta parole. Chapitre 15, verset 5. Chapitre 16, verset 5. Okay. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, Seigneur qui est, qui était et qui vient. Seigneur, qui était, qui est et qui Viens. vient. D'accord Et tu es juste parce que tu as exercé ce jugement. Mm -hmm. Donc, on retrouve cette expression là pareil. Donc, celui qui était, qui est et qui vient. Et on va dans... Et euh, Apocalypse chapitre euh, voilà, chapitre 20, euh, 22, verset 20. Maintenant on va savoir qui est celui qui vient. Mmh. Qui est celui qui était? Amen. Qui est qui vient? On nous dit que c'est le Dieu Tout-Puissant. Mmh. Nous sommes d'accord. Maintenant, là, quel est le nom de ce Dieu Tout-Puissant? Mmh. Qui vient? Amen. On va voir au verset 20. Okay. <laughs> celui qui rend témoignage de ces choses dit. Certainement, je viens à toute vitesse. Amen, oui, Seigneur Jésus, viens. Ah ah, Alléluia. Alléluia. <laughs> Donc, c'est Jésus qui a dit à Moïse. C'est la parole. D'accord C'est Jésus qui a dit à Moïse, eh ben, je suis qui je suis. D'accord Je suis qui je suis. C'est-à-dire cette expression-là, ayez, achar, ayez, en hébreu, peut être traduite par, n'est-ce pas, j'étais, je suis, je serai. D'accord et on, retrouve, on la retrouve, cette expression, dans le livre d'Apocalypse par rapport au Dieu Tout-Puissant. Et celui qui vient à toute vitesse, eh ben c'est Jésus-Christ. Donc, ça commence déjà bien. Donc, on voit bien que c'est Jésus-Christ qui est partout dans toutes les écritures. Amen. Mais c'est le seul Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu véritable. Vous voyez, mais ce n'est pas fini. Ça, c'est que l'introduction. C'est le commencement de l'enseignement. Hein On est en train simplement d'enlever la poussière de nos yeux par le Seigneur pour que nous voyons clairement qui est le véritable Dieu, mes amis, que nous devons adorer. Alléluia, alléluia. gloire à Dieu. Magnifique. Le Seigneur est magnifique, mes amis. Magnifique. 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 Oh, Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, mes amis, et. Euh et euh, regardez le verset, euh, chapitre 4, Apocalypse 4, verset 8. Apocalypse 4, 8. Et les quatre animaux avaient chacun six ailes, et tout autour et au dedans, ils étaient pleins de yeux. Et ils ne, ils ne cessent pas de dire jour et nuit Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Qui était, qui était et qui est, qui était et qui vient. Yeshua. Et Yeshua est vraiment le Dieu Tout-Puissant. D'accord? Et celui qui vient sur, avec les nuées, c'est Yeshua. Et il se présente lui-même comme le tout puissant. Comme le tout puissant, mes amis. Donc celui qui vient. Et il n'y a pas deux tout puissants. Il n'y a pas trois tout puissants. Il n'y en a pas quatre, tout il n'y a pas quatre tout puissants. Il y en a un seul. Et est Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, mes amis. La parole est claire et euh, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Maintenant, le Je suis, parce que on a vu Je suis qui je suis. Hein? Ayez »,« Achar, ayez », d'accord. Je serai, je suis et je euh, j'étais, je serai et je suis, d'accord. Donc maintenant le Je suis. Il dit celui qui s'appelle Je suis. M'a envoyé. Dit aux enfants d'Israël celui qui s'appelle je suis. D'accord? Et celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Le je suis là. Le je suis. Retenez bien, je suis. Alors on va voir ça bien, bien comme il faut. Et euh, dans Jean chapitre 4. On va nous montrer. Et euh, euh, les, Jean 4, verset, euh, à partir du verset 20. On va vous montrer ça sur l'écran. Sur la nouvelle version de la BGC, parce que la, version, la première version, euh, c'est une version, et, euh, il y a des passages de la Martin euh, qu'on a laissé tels que comme la plupart des versions. Mm -hmm. Et la nouvelle version, bah, on est euh, allé encore plus loin dans la, ré dans la, dans la révision. Et, euh, et on a vu que même Segon 21 a, 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 a rectifié, a traduit correctement ce passage-là de Jean 8, mm -hmm. euh, comme de la nouvelle BGC. Mm -hmm. Et euh, nous sommes dans Jean 8, si on peut nous montrer l'image là-même sur l'écran. C'est pas possible, hein, Laurent. J'espère qu'on va entendre ma voix parce qu'on n'a pas nos voix parce que hier c'était un petit souci apparemment. Donc, Jean chapitre 8, vers, à partir de verset 20, on va lire. Jean 4, pardon. Jean 4, à partir du verset 20. Voilà. voilà regardez bien l'image chez vous. Voilà. On va essayer d'agrandir. Si c'est possible, mais sinon, c'est pas grave. Et. Euh, voilà, parfait, et euh, « Nos pères ont adoré sur cette montagne », donc ça c'est la nouvelle version de la BGC qui sort d'ici le 15 avril. « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. » Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Regardez le verset 25. La femme lui répondit Je sais que le Messie, est-ce qu'on peut descendre Le Messie, c'est-à-dire. Euh, je sais que le Messie, euh, c'est-à-dire le Christ, doit venir. Quand donc il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Et euh, toutes choses. Regardez le verset 26 maintenant, si on peut l'agrandir. Le verset 26, c'est le verset qui nous intéresse euh, par rapport à l'enseignement qui est apporté ce soir. Regardez la réponse de Jésus-Christ dans le grec. Hein, donc on a vérifié dans le grec. Et dans la seconde 21, euh, c'est aussi comme ça. Donc euh, beaucoup de choses sont rectifiées. Que Dieu soit béni. Et. Euh, Regardez le verset 26. Voilà, donc... Euh... Alors le verset 26, euh, on va descendre quand même un peu. Voilà, le verset 26. Jésus lui dit, donc on peut laisser comme ça, c'est pas grave. Jésus lui dit, moi, je suis qui te parle. Vous vous rendez compte Jésus, en fait, a répondu à la femme samaritaine, mmh. moi, je suis. Amen, amen. Vous vous rendez compte mes amis? Terrible, ça? Et ça c'est David c'est ce que le grec nous dit. Oui. Mon frère. C'est terrible. Jésus-Christ s'est révélé à la femme samaritaine comme étant le je suis d'Exode 3:14. Alors Martin a mis moi je euh, comment je suis l'envoyé de Dieu et à euh, euh, 1910 je suis euh, ce que je suis. Euh, voilà, ils ont essayé un peu de mettre à leur sauce en fait, c'est le, le grec, voilà ce que le grec dit, voilà ce qu'on a mis dans la nouvelle BJC, frères et sœurs, comment on nous a caché la divinité de Jésus-Christ. Ah, Jésus dit à la femme samaritaine, moi je suis. Et nous sommes dans Jean 8, verset 24. Oh que Dieu nous aide. Hein? Là aussi, Martin a mis, je suis l'envoyé de Dieu, mais ce n'est pas ça. D'accord Donc, dans la nouvelle BGC, on a, euh, euh, comment dire, euh, ben, on a euh, révisé cela, ce passage aussi. Regardez ce que Joshua dit dans Jean 8, 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que je suis, Martin a mis, si vous ne croyez pas que je suis l'envoyé de Dieu. Mais le grec... Même euh, second 21 ça comme ça aussi. Donc, vous euh, nouvelles certaines Bibles euh, qui sont révisées aujourd'hui, il y en a qui sont paganisées, mais d'autres essaient de se rattraper. Vous mm -hmm. voyez Donc, parce que ça ne faisait pas bien en français pour eux, alors ils ont dit, bon, bah on ne doit pas le traduire tel que, il faut peut-être rajouter quelque chose. Alors que le grec dit ça exactement. C'est ce que Yeshua disait. Si vous ne croyez pas, il disait aux pharisiens, aux scribes, aux, aux, aux sadducéens, si vous ne croyez pas que je suis... Vous mourrez dans vos péchés. Wow. Celui qui ne croit pas que Jésus est Dieu, mm -hmm. le Dieu tout-puissant, il mourra dans ses péchés. Wow. Wow. C'est terrible. Wow. C'est la divinité de Yeshua dans toute sa majesté. Amen. Amen. Vous vous rendez compte, donc la foi chrétienne, c'est la foi en Yeshua. Le Dieu Tout-Puissant qui est, qui était et qui vient. Nous sommes au verset 28. Là, c'est le verset 24, non Nous sommes au verset 28. Jésus leur dit donc Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez alors que je suis. Jesus Christ. Alléluia. Oh, magnifique. Magnifique, magnifique. Quand vous aurez élevé le fils de l'homme, vous connaîtrez alors que je suis. Mmh, 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 Donc, important. vous vous rendez compte? C'est la divinité de Yeshua qui est mise en évidence ici. Hein? Regardez, second 21, on peut trouver ça sur le net. Vérifiez second 21. Second 21, c'est aligné sur les textes majoritaires. Donc, je pense qu'ils ont rectifié là-dessus. Et... Euh, et euh, Go 21, regardez mes amis, euh, dès que vous le trouvez vous trouvez ces passages ce passage dans Ségol 21, faites-nous signe, David, merci pour votre soutien. C'est impressionnant, chrétiens, vous qui nous suivez ce soir. C'est pour cela, la nouvelle BGC qui va sortir, là, ça, ça va beaucoup nous encourager et euh, aussi nous aider. Donc, euh, euh, c'est magnifique de voir à quel point, mes amis, Jésus-Christ est partout dans toutes les Écritures. Donc, Yeshua a dit aux, aux, aux pharisiens... Donc si vous ne croyez pas que je suis, voilà pourquoi dans Jean 8, regardez plus loin, mm -hmm. mes, mes amis, plus loin, plus loin au verset 50, 56. Jean 8, 56. Hein? Le, voile, le voile se déchire encore. Oh <rire> Jesus. <rire> wow. wow. Ah, là, là. Allez au verset 58 euh, sur la BGC, là s'il vous plaît. Après on va aller voir sur euh, la seconde 21. 56, 58. C'est glorieux. C'est chaud. Hein, je vous dis, mes amis, c'est chaud. Et Jésus est vraiment Dieu, Amen, le Dieu, le Dieu tout puissant, Amen, que Satan Amen. a voulu voiler, cacher, pour nous présenter la doctrine de la Trinité, une doctrine démoniaque, satanique, un impie, qu'il faut vomir, mes amis, même si on vous persécute, c'est pas grave. Vous devez croire dans le Dieu véritable, Yeshua HaMashiach. Alléluia. Gloire à Dieu. Et euh, donc. Euh, euh, voilà, Jean 8, euh, 56 58. Voilà. Donc, et on retrouve dans, toutes les, dans tous les évangiles, hein, dans, les, dans les quatre évangiles, la notion de je suis. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. N'est-ce pas Je suis euh, la lumière du monde. Je suis. Vous voyez, c'est y a, y a, terrible. Je suis le pain de vie. c'est Le jeu, le jeu, je suis. Et quand on lui pose la question dans Jean. 18, n'est-ce pas, par, euh, par, il pose la question à la foule qui était venue l'arrêter, aux soldats romains, tout ça, et aux juifs. Il leur pose la question, qui cherchez-vous euh, Ils répondent Jésus. Et il dit quoi Je suis. Amen. Moi, je suis. Amen. À deux reprises dans Jean 18. Amen. Vous voyez, c'est glorieux. Il dit, est, je suis. Hein? Et Jean, est-ce que les amis Voilà, ils tombent quand il dit que quand il leur a dit qu'il était qu'il est qu'il est, qu est le Je suis, ben ils sont tombés. Et euh, donc nous sommes tous... la Belgique, c'est toujours dans Jean, Jean chapitre 8, ouais. Ok, regardez le verset. Et euh, voilà Jean 8, 58. « Et Jésus leur dit En vérité, en vérité, je vous dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et regardez la réaction des Juifs. Alors ils prirent des pierres. Pour le jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et est sorti du temple. Hein, voilà. C est, c est, avant qu'Abraham fût, je suis. Mais c'est pour cela qu'il leur a dit, si vous ne croyez pas que je suis, eh vous mourrez. Mm -mm. Voyez. Ô oh, Seigneur Yeshua. Ô oh, Seigneur Yeshua. C'est terrible. Mes amis. Jésus est vraiment le je suis, mes amis, d'Exode 3, 14. Oh, que Dieu soit béni, que Dieu soit ah, glorifié, que Dieu soit magnifié, le Yeshua, le, le Dieu tout-puissant. Mes amis, vous vous rendez compte Vous vous rendez compte Et regardez, second 21, David, on va vérifier. Voilà, second 21, et euh, c'est une Bible aussi que nous recommandons. Hein, donc, second 21 qui n'est pas mal aussi, parce qu'ils euh, se sont vraiment alignés euh, sur euh, la, euh, les textes majoritaires, hein, donc... Euh, les textes qui étaient, qui sont purs, hein, donc qui étaient, euh, comment dire, euh, gardés de toute, euh, comment dire, corruption. Et, euh, donc, second, la Bible de Ségon 21, et, euh, euh, ils ont essayé de s'aligner sur les textes majoritaires. Et, euh, donc c'est une Bible qui est pas mal. Et, euh, voilà. Donc, euh, c'est, c'est, terrible, mes amis, de voir à quel point le Seigneur est en train de se révéler dans ce temps de la fin mmh. à son, à son peuple parce que c'est l'époux qui revient nous chercher, mes amis. Et, hein, voilà. Et euh, voilà. Voilà. voyez comment Second 21 a, a corrigé ça A rectifié. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mm -hmm. voyez, ils ont corrigé ça. Mm -hmm. Si vous ne croyez pas que moi je suis. Donc voyez, même Second 21, c'est euh, euh, aligné sur, n'est-ce pas, les textes majoritaires et, hein, pour, pour bien traduire les choses correctement. Que Dieu soit béni en tout cas. Et, euh, et c'est glorieux. C'est glorieux. Donc, euh, Satan, mes amis, est de plus en plus démasqué. La doctrine de la Trinité est de plus en plus démontée. Et les vrais croyants, les enfants de Dieu, commencent à découvrir, n'est-ce pas, le véritable Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Et euh, je crois que c'est Ségon 21 dans Jean 4, c'est pareil, non, David Jean 4, 26 dans Ségon 21. Et, euh, et, et c'est glorieux, c'est magnifique. Vous voyez, frères et sœurs, chrétiens, vous qui aimez la vérité, c'est glorieux de voir comment le Seigneur se révèle, comment il se, il se, il se, il se révèle à nous. Et euh, il est le Dieu tout-puissant. Yeshua Amashia, le Dieu d'Israël, le Dieu de gloire. Voilà. Il n'y a pas. Donc il n'a pas mis. Ah, je le suis. Ah, la seconde 21 n'a pas bien traduit. Il a rajouté, ils ont rajouté l'article euh, euh, défini, hein, le. Et euh, alors que dans le grec, cet article n'existait pas à cet endroit-là. Donc, je le suis. Second 21 a mis ça comme ça, malheureusement. Mais sinon, le grec tout simplement dit Je suis moi qui te parle. Voilà. Donc, c'est le nom de Dieu que Yeshua va donner, révéler à la femme samaritaine. Voilà, frères et sœurs, que Dieu soit béni pour sa parole. Et maintenant, et euh, rapidement, et euh, mes amis. Nous allons, en euh, fait, comprendre d'où vient euh, justement cette doctrine de la Trinité. On, on, a, on en a déjà parlé et euh, mais on va vous donner d'autres, quelques détails encore. Mais allons d'abord voir rapidement dans les Écritures pour vous montrer que Dieu a toujours été un et Dieu n'a jamais été plusieurs. Et euh, une, comment dire, une, une composition, une unité euh, suite à une addition de plusieurs personnes bien distinctes. Et euh, voilà, donc c'est pas ça. Nous sommes dans Ésaïe Esaïe, mes amis, le prophète Esaïe, ah, le prophète messianique qui a révélé, qui a eu la grâce de révéler Dieu, alléluia, le Dieu tout-puissant. Nous sommes dans Esaïe chapitre 8. Esaïe chapitre 8. Mes amis, quelqu'un pourra-t-il nous lire ici hein, Je suis vraiment excité, gloire euh, à Dieu. Et, euh, Esaïe chapitre 8, au verset 13, par exemple. Je vais lire. <coughs> Sanctifiez Yahweh des armées lui-même. C'est lui que vous devez craindre et redouter. 14. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. Oh Yahweh sera quoi un sanctuaire. Une pierre, un sanctuaire et. Une pierre d'achoppement. Une pierre d'achoppement. On continue Un rocher de scandale. Un rocher de. Scandale. Pour les deux maisons d'Israël. Qui sera une pierre d'achoppement Yahweh, Yahweh. Qui sera un rocher de scandale Yahweh. Yahweh. D'accord on nous dit que Yahweh est aussi une pierre. Yahweh est aussi une pierre et une pierre d'achoppement. Un rocher. Yahweh est aussi un rocher. C'est écrit ici ou pas? C'est écrit ici ou pas? C'est écrit ou pas? Qui est le rocher Yahweh. Qui est le rocher Yahweh. Qui est la pierre Yahweh. Qui est le rocher Selon ce passage. Yahweh, qui est le rocher Nous sommes d'accord Un rocher de scandale. Hein, d'achoppement. De, 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 nous sommes dans 1 Corinthiens. Alléluia, gloire à Dieu. Magnifique, le Seigneur est fidèle. Que les religieux soient délivrés Alors, de la doctrine dia, diabolique qu'on hein, oui. qu appelle allez, la allez. Trinité. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10, mes amis. On a vu que Yahweh est, est un rocher. Hein, Yahweh est le rocher mm -hmm. de scandale, d'achoppement. Nous oui. sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10. Est-ce que quelqu'un peut nous lire le, le verset premier allez, allez. Or, mes frères, je ne veux pas que vous ignoriez que, que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont, qu qu ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Et qu'ils ont tous mangé la viande spirituelle. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ. Christ. Ce rocher était, Christ. Christ. Ce rocher était Christ. Christ. Ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ. Christ. Oh! Alléluia. Amen, amen, amen. Ce rocher était Christ. Ce rocher était. Christ. Ok. Ah oh, Seigneur Terrible ça. Y va, ok. <laughs> vous voulez qu'on continue encore, mes amis. Amen, amen. On, va, on, on va revenir sur Esaïe là-bas. Je veux d'abord que l'on voit maintenant ce rocher-là. Cette, cette pierre-là. Hein? S'il y a deux pierres. S'il y en a une, s'il y en a deux, s'il y en a trois. Mmh. Nous sommes dans Zacharie. Mmh. Mmh. Nous sommes dans Zacharie. Chapitre 3, verset 9. Zacharie, euh, la page 613. Voilà. Moi, je ne vais pas lire, c'est à vous de lire pour que, pour que, les, que les autres voient que ce n'est pas seulement dans ma Bible. Voilà. On nous dit que. Ce, le, euh, Esaïe 8 hein, nous dit que Yahweh est le rocher de scandale, mm -hmm. le rocher d'achoppement. Et on nous dit que ce rocher, dans 1 Corinthiens 10, c'est Christ, Christ qui suivait les enfants d'Israël dans le désert. Mm -hmm. N'est-ce pas? Et euh, donc, Christ n'a pas commencé à exister il y a 2000 ans seulement. Mm -hmm. Non, il, est, il a toujours été là. Il est Dieu. Nous sommes, mes amis, dans justement euh, ce passage. On va le lire là. Euh, Zacharie 3, euh, 3, verset 9. Zacharie 3, verset 9. Tu lis le nom de Jésus. Car voici quant la, à, la à la pierre que j'ai mise devant Josué sur cette pierre qui n'est qu'une. Qui n'est qu'une. Qu qu qui n'est qu'une. C'est-à-dire qu qu « Ehad ». Il n'y en a pas deux. Euh, La pierre en question est Ehad. C'est écrit. écrit. Mm -hmm. Qui n'est qu'une. Et cette pierre a sept yeux. Mm -hmm. D'accord Les sept yeux, c'est l'omniscience. Omni... Mm -hmm. Le fait que cette pierre sait toutes choses. Mm -hmm. Pierre lui dira dans Jean 16 Jean Seigneur, tu sais toutes choses. Vous mm -hmm. voyez Et regardez, frère. On nous dit que cette pierre est le rocher de scandale. Mm -hmm. Et son nom, c'est Yahweh sous le Tanakh. D'accord. Et dans la nouvelle alliance, sous la loi, mm. c'était Yahweh. Dans la nouvelle alliance, c'est Christ, mm. Jésus. Mm. Voyez, parce que c'est le nom qui vous est donné aujourd'hui. Alléluia. Parce que Jésus, c'est quoi Ce nom, c'est quoi Yahweh est Sauveur. Mm. C'est ça, Jésus. Amen. Donc c'est le Yahweh de, du Tanakh. Mm. C'est ce rocher là qui est venu, Amen. et sur ce rocher, l'Église est bâtie. Amen. Oh, tu Amen. es bâti sur Yahweh lui-même, qui peut te faire la guerre, qui peut te détruire, mon frère, ma soeur Personne. Non, tu ne mourras pas tant que la mission pour laquelle Dieu t'a appelé okay. n'est pas achevée. Oh, Alléluia, on a Yeshua. Et regardez Esaïe 28. On a vu que cette pierre est, un, est une pierre d'achoppement, mes amis. Esaïe 28 maintenant. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, je suis dans la joie. Parce que mon Dieu se, se révèle. Amen. Mon Dieu se manifeste. Mm -hmm. Oh, Alléluia, gloire à Dieu. Esaïe 28, 16. Esaïe 28, 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahweh. Voici, je mettrai pour fondement en sillon une pierre, une pierre éprouvée, la pierre angulaire, la plus précieuse, pour être un fondement solide. Celui qui croira ne se hâtera point. Et je mettrai le jugement à l'équerre et la justice au niveau. Et la grêle détruira le refuge du mensonge. Et les eaux inonderont le lieu où l'on se, se retirait. Et votre pacte avec la mort sera détruit. Votre accord avec le chiol ne tiendra pas. Quand le fléau débordé passera, vous en serez foulés. Dès qu'il passera, il vous emportera. Or, il passera tous les matins, le jour et la nuit. Et dès qu'on entendra le bruit, il n'y aura que terreur. Ok, donc on nous dit que Dieu a placé cette pierre-là en Sion. Donc c'est lui-même, d'accord, ce rocher, n'est-ce pas C'est le rocher de Scandale. Hein donc le rocher... Qui, euh, mes amis, euh, est devenue euh, une pierre d'achoppement. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2, verset 6. On peut le lire à partir jusqu'au verset 8. C'est pourquoi aussi il est dit dans l'écriture Voici, je mets en Sion la pierre principale de l'angle choisie et précieuse et celui qui croit en elle ne sera pas confus. elle est donc précieuse pour vous qui croyez. mais, pour, mais par rapport aux rebelles, il est dit la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est mmh. devenue la principale de l'angle. Mmh. et une pierre d'achoppement mmh. et une pierre d'achoppement et un rocher de Scandal. scandale. oh! Non, mais, non, mais, non. mais vous ne voyez pas que <laughs> mais, 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 david <laughs> Esaïe 11. Esaïe 8 là-bas nous dit que Yahweh est le, la pierre d'achoppement, le rocher de scandale. Et un pierre 2 ici nous dit que cette pierre-là c'est Jésus-Christ. Vous ne voyez pas que, que c'est le même Dieu. Amen. Alors comment sommes-nous, mes amis, arrivés à la conclusion selon laquelle il y, aurait, il y a trois dieux? Vous ne voyez pas que nous avons été envoûtés pendant des années. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. On relit encore. Euh, 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 comment, Herman, prends-nous Esaïe 8, 14 là-bas. Euh, David, tu vas nous lire un pierre, s'il te plaît, 2, 6 à 8. Hein, que les chrétiens, on va comparer ces deux versets-là. Mm -hmm. hein, le Tanakh et la Nouvelle Alliance. Mm -hmm. hein, donc, euh, qu'on comprenne hein, le prophète Esaïe et le prophète euh, et l'apôtre Pierre. Mm -hmm. Qui ne se connaissaient pas, hein, mm -hmm. d'accord 800 ans les séparaient tous les deux. Mm -hmm. Mais ils ont parlé de la même chose. Mm -hmm. Et on va lire. On commence d'abord par Esaïe là-bas. Esaïe, c'est. Esaïe 8, 14. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, et un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Un rocher de quoi De scandale. Une pierre de quoi D'achoppement. Une pierre d'achoppement mm -hmm. et un rocher de scandale. De, scandale. de scandale. Quel est le nom de cette pierre-là Yahweh. Yahweh, qui sera comme ça Yahweh. D'accord On va lire dans 1 Pierre 2. Alors. 1 Pierre 2, verset 6. C'est pourquoi aussi il est, il est dit dans l'Écriture, Voici, je mets en sillon la principale pierre de l'angle, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Mais par rapport aux rebelles, il est dit, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, mmh. et un rocher de scandale. Mmh. Et ils, ils, ils se heurtent mmh. contre la parole et sont rebelles. Wow. Et c'est à cela wow. qu'ils sont destinés. Vous vous rendez compte? Wow. Mais il est question de Jésus, c'est clair. Amen. Vous voyez, c est, c est... Mais, mais vous voulez chercher quel Dieu encore Comment Satan a pu, mes amis, nous tromper au point de nous faire croire que Jésus est le, le deuxième Dieu hein? Mais c'est grave. Comment Satan a réussi à nous faire croire que Jésus est le deuxième Dieu Oh, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous aide, que Dieu nous délivre, mes amis. Hmm? Que Dieu nous délivre. Et c'est Yeshua. Et dans Matthieu 16, Yeshua dit à Pierre, et moi je te dis que tu es pétros et que sur ce rocher, donc pétra, un grand rocher, je bâtirai mon église. C'est Yeshua lui-même. Pierre dit, Paul dit dans 1, 1 Corinthiens 3, au verset 11, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir... Jésus-Christ, la pierre angulaire. Mais vous voyez, cette pierre-là. Et quand Jean arrive au ciel, dans Apocalypse 4, il voit sur le trône au ciel quelqu'un qui était assis dessus, qui ressemblait à une pierre de jaspe et de sardoine. Mais c'est Jésus. On nous dit maintenant que cette pierre-là, c'est sardoine et, mes amis, euh, euh, jaspe. Mais c'est Jésus-Christ lui-même. Mais vous, vous cherchez quel Dieu encore chrétien? Alors, maintenant, regardez toujours la Isaïe. Oh, que Dieu nous aide. Isaïe 35. David, rapidement, on va lire. On va beaucoup lire la Isaïe 35. Euh, 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 35. Verset 4. Isaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez plus. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. On est en train de le présenter Dieu ici. Voici Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous délivrera. Il viendra lui Il ne va pas envoyer un ange. C'est pour cela quand il a cherché quelqu'un dont le sang était pur pour nous sauver, il n'a pas trouvé. Et lui-même, le mystère de la piété, lui-même est venu. C'est pour cela Pierre nous dit dans, Paul nous dit dans 1 Timothée 3.16 Or, sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Alléluia. Amen, amen. amen. Ouh, Jesus. Wow. Jésus. Jésus. Vous voyez C'est Jésus. Esaïe avait prophétisé que Dieu lui-même allait venir. Vous voyez Il ne va pas envoyer la deuxième personne de la Trinité. C'est faux. C'est du, du mensonge. Et Dieu lui-même allait venir. Et Paul a dit clairement que Dieu a été manifesté en chair. C'est écrit. C'est Dieu lui-même qui s'est incarné. C'est Dieu lui-même. Emmanuel, Dieu parmi nous. Un enfant nous est né. On connaît cela. Un fils nous est donné. N'est-ce pas? On, on l'appellera admirable, conseiller. Dieu puissant. Père éternel. Mais Jésus, le Père. C'est le Père, en tant que Dieu, c'est le Père lui-même. C'est Dieu lui-même. On l'appellera Père éternel. Esaïe le dit clairement, frère. Vous qui ne croyez pas, alors enlevez ce verset-là dans ce cas-là. Mm -hmm. C'est écrit dans Esaïe, Père éternel, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas crois qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Mm -hmm. Voilà. Esaïe l'a dit. Mm -hmm. Et Yahweh lui-même viendra, Dieu lui-même viendra. Alors les yeux des aveugles seront ouverts. Mm -hmm. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Amen, amen. Dans Jean 9. Amen. Il a guéri ce homme né aveugle. Mm -hmm. N'est-ce pas et il a ouvert les yeux des aveugles spirituels Que nous amen. étions N'est-ce amen. pas Il a dit aux pharisiens Parce que vous pensez être des voyants Eh ben, parce que vous croyez que vous êtes des voyants Vous ne verrez plus Et les oreilles de sourds vont, vont être ouvertes Et les boiteux vont sauter Vont marcher et eh bien c'est ce qu'il a fait N'est-ce amen, amen, amen. pas Lui-même Dieu est venu sauver les gens mm -hmm. C'est pour cela Ses œuvres N'est-ce pas Attestent sa divinité mm -hmm. N'est-ce pas mm -hmm. Alléluia C'était les œuvres divines amen. Mes amis Wow, que Dieu soit béni. Nous sommes dans Esaïe, mes amis, chapitre 40. Esaïe 40. Alors, nous sommes et euh, et euh, dans Esaïe, chapitre 40. Verset 10. D'abord, verset 3. Alors, verset 3. Alors, la voix de celui qui crie au désert est... Préparer le chemin de Yahweh. Préparer le chemin, le chemin, le de, chemin de, Yahweh, qui? de qui mmh. De Yahweh mmh. De Yahweh. On continue. Mmh. A planissé parmi les lieux arides un chemin pour notre Dieu. Pour notre Dieu. Mmh. Yahweh est notre Dieu. Mmh. Donc il fallait préparer son chemin. Amen. Et on sait dans Luc chapitre 3, mmh. Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste l'a fait. Mmh. Il est venu, il a préparé le chemin de qui De Jésus. Jésus. Qu'il croise et que je diminue. Ah ben ouais. Jésus est Dieu. Jésus est Yahweh. Amen. Alléluia. Amen. On continue verset 10. Verset 10. Alors. Voici le Seigneur Yahweh viendra contre le fort et son bras dominera sur lui. Oh, voici son salaire est avec lui et ses rétributions sont devant lui. C'est Yahweh qui est en train de venir. Oui. Et il va paître son troupeau verset 11 comme un berger. Et Yahweh Yeshua dit quoi dans Jean 10 Je suis le, Je suis le bon berger. berger. Il y a un seul troupeau et comme est le berger. Un seul. Un seul. Un seul. Donc Yahweh est le berger, notre berger et Yeshua est notre bien. Yahweh est mon berger. Amen. Je ne manquerai de rien. Amen. Jésus dit, je suis le bon berger. Amen, amen, amen. Il n'y a pas amen. deux bons bergers. Il a dit il y a un seul berger, amen. il y a un seul troupeau. Il a dit dans Jean 10. Alléluia. Amen. Donc on acclame le Seigneur parce qu'il est, est, est Dieu. Il est Dieu, Jésus. Alléluia. 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 Nous sommes dans Esaïe toujours, Esaïe toujours, Esaïe 40. Le verset, mes amis, et euh, 4. Toute vallée, sera les 41, pardon, verset 4. Okay. Qui est celui qui a opéré et fait ces choses C'est celui qui a appelé les âges dès le commencement. Moi, Yahweh, je suis le Moi, premier. Moi, Yahweh, je suis. Je suis. Le premier. Le premier. Et. Et je suis avec les derniers. Mm -hmm. Ça, c'est le je suis là toujours. Amen. Moi, Yahweh, je suis. Et je suis. Les îles voient. Et Sont dans la crainte, les extrémités de la terre sont effrayées. Ils s'approchent, ils viennent. Chacun aide son prochain et chacun dit à son frère Fortifie-toi. L'ouvrier encourage le fondeur. Ok, c'est bon. Que Dieu soit béni. Nous sommes mes amis. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dans Ésaïe chapitre 11, 43. Ésaïe chapitre 11, 43. Ésaïe chapitre 43, verset, pardon, verset, euh, euh, verset euh, et, euh, 9. Que toutes, les nations, 43, 9. Mm -hmm. que toutes les nations soient ramassées ensemble et que les peuples soient assemblés. Lequel d'entre eux a annoncé ces choses-là Et qui sont ceux qui nous ont fait entendre les choses qui ont été ci devant? Qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient. Qu'ils entendent et qu'on qu les entende et qu'on dise c'est vrai. Mm. Vous êtes mes témoins. Yahweh dit, Vous êtes mes témoins, Té dit Yahweh. Et mon serviteur que j'ai élu afin que vous connaissiez et que vous croyez, et que vous compreniez que je suis. Alors quand vous comprenez, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Yahweh veut que les gens comprennent qu'il est, je suis. D'accord Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, et il n'y en aura point après moi. Verset 11, qui peut le lire. Moi, je suis Yahweh. Moi, je suis Yahweh. Yahweh. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. À part moi, il n'y a point de... <laughs> de sauveur. Alléluia. Il y a un seul, il a seul, seul. Un seul sauveur. Alléluia. Avec. Yahweh lui-même dit qu'il n'y a pas d'autre sauveur. Alors, allons voir, mes amis. Allons voir. Allons voir, mes amis. Dans 1 Timothée 4, 10. Yahweh dit qu'il est le seul sauveur. Le seul sauveur. Timothée 4, 4.10 mm -hmm. Vous aimez la parole, je crois, Frère et soeur. Herman. Car c'est aussi à cause de cela que nous endurons des travaux et des opprobres. Parce que nous espérons dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, mais principalement des fidèles. Le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les Zom. hommes. Paul nous dit que Dieu est le sauveur de tous les Zom. hommes. Vous êtes d'accord hein Vous êtes d'accord avec la parole mes amis mm -hmm. OK. Alors qui est ce sauveur là Quel est son nom là justement hein? Donc euh, qui est ce sauveur là Et nous sommes dans mes amis, alléluia, gloire à Dieu. Dieu est fidèle. Nous sommes dans titre verset euh, euh, chapitre 2 verset n'est-ce pas Les euh, euh, 11 à 14. Dieu est le sauveur, Yahweh est le sauveur, le seul sauveur. Il a dit, hein? il n'y a pas d'autre sauveur que Yahweh. Yahweh l'a dit dans Ésaïe 43, 10. Il a dit, 11, il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Nous sommes dans Tite, la page euh, euh, 1166. Donc 11, 66. Hein? Alléluia, quelqu'un peut le lire là rapidement là? Non. Non. Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, salutaire à tous les hommes, a été manifestée. Elle, et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux passions mondaines et à vivre dans le présent siècle selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu mmh. et notre sauveur mmh. Jésus-Christ. L'apparition de la gloire du grand Dieu et notre sauveur qui Jésus-Christ. Mais Yahweh, c'est clair, Yeshua, Yeshua, mais c'est lui, chrétien. Mais vous cherchez quel Dieu encore Vous, vous cherchez quel Dieu encore Quel Dieu cherchez-vous encore Yahweh dit qu'il n'y a pas d'autre sauveur que lui. Et Paul nous dit que Dieu est le sauveur de tous les hommes. Amen. Et ici, dans le titre, il dit justement que nous attendons l'apparition de notre grand Dieu et sauveur, Jésus-Christ. Voilà. 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 Il y a un seul Sauveur, un seul Seigneur. Mais c'est clair. Qu'est-ce que vous cherchez encore, chrétiens Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à développer. Nous sommes dans Ésaïe, mes amis. Alléluia. Nous sommes toujours dans Ésaïe, chapitre, mes amis, 45, verset 5. On va lire rapidement parce qu'il y a des choses à montrer aux frères Je suis Yahweh et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Oh, je suis Yahweh et il n'y en a point d'autre. À part moi. Il n'y a, a point de Dieu. De... Non, je n'ai pas vu entendu. Il n'y a, a point de, de, point de, de Dieu. Dieu. À part Yahweh, il n'y a point d'autre Dieu. Dieu. Donc il faut qu'on arrête avec cette histoire-là Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu dit il y a un seul Dieu. À part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Dans Deutéronome 32, 39, il le dit hein, près de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. D'accord Regardez, mes amis. Regardez. Nous sommes dans Ésaïe. Oh, que Dieu nous aide. Oh, que Dieu nous enseigne. Oh, que Dieu nous enseigne. Et Dieu va vraiment nous délivrer. Nous mmh. sommes dans Ésaïe 60. Oh, que Dieu soit béni. Voilà, donc, euh, et, euh, dans Ésaïe euh, 60, je crois qu'il y, y, y a quelque chose là qui, qui va... Et, euh, euh, voilà, verset 19. Euh, 18-19. Ésaïe 60, verset 18. On peut même commencer à partir du verset 16. Ésaïe 60, verset 16. Et tu suceras le lait des nations, et tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis Yahweh, ton sauveur. Je suis Yahweh, ton sauveur. sauveur ton rédempteur. Ton rédempteur. Qui est le rédempteur Qui nous a racheté Jésus. Le rédempteur est celui qui rachète. Jésus. Les ah oui. gens de sa famille qui, sont vend... qui étaient vendus. Mm -hmm. C'est Jésus. Ah oui. On continue. Le, pui... le puissant de Jacob, je ferai venir l'or au lieu de l'airain. Et de l'argent au lieu du fer, et de l'airain au lieu du bois, et du fer au lieu, de, au lieu des pierres. Verset 19. Tu n'auras plus le soleil pour la lumière du jour, et la lueur de la, de la lune t'éclairera plus, mais Yahweh sera pour toi la lumière éternelle, et ton Dieu sera ta gloire. Qui sera notre lumière éternelle Yahweh. Qui sera notre lumière éternelle Yahweh. Qui sera notre lumière éternelle, Yahweh. mes amis Yahweh. Alléluia. Yahweh, Yahweh. Alléluia. Mmh. Yahweh, Yahweh. Mmh. Yahweh C'est magnifique, c'est glorieux alléluia. Dieu est ma gloire, ma lumière Amen. Alléluia Et Yahweh sera notre lumière Et dans Esaïe Dans Apocalypse chapitre 22 Yahweh sera notre lumière Et regardez dans Esaïe Chapitre 21, 21. Oh Alléluia Magnifique, 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 magnifique. C'est glorieux. Hein? Euh, Après le 21, verset, et, euh, à partir du verset 22. Alors, je vais lire. Et je ne vis pas de temple dans la ville parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en, son, en sont le temple. Amen. Et la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour mmh. l'éclairer car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau l'agneau est son flambeau l'agneau est son et sa lumière Donc vous voyez bien que Yeshua a dit lui-même que je suis la lumière du monde hein, dans Jean hallelujah. 8 13 là-bas oh my my god oh, hallelujah oh hallelujah hallelujah hallelujah, hallelujah. mais mais c'est clair Yahweh est la lumière Jésus hallelujah. est la lumière Yahweh est le berger Jésus est le berger Yahweh est le sauveur Jésus est le sauveur Yahweh est hallelujah. Dieu Jésus est Dieu Yahweh est le rocher Jésus le rocher frère vous chercher quoi encore la mm. les, les, à, à chaque fois il y a des choses se combinent les écritures s'emboîtent les unes dans les autres mm. les prophéties mes amis sont en train mm. de mm. se tisser les uns avec les autres mm. de s'emboîter mm. mm. les unes dans les autres mais la parole mm. est claire de Genèse à Apocalypse les écritures nous présentent le seul et véritable Dieu Jésus-Christ de Nazareth voilà voilà frère la la, la vérité mm. voilà la vérité un seul Dieu, un seul peuple, une seule église, une seule maison, un seul corps, une seule tête, un seul chemin, un seul père, une seule famille. Mais la parole est claire, chrétien. Satan ne veut pas de cela. Et Paul nous dit quoi? Paul nous dit dans Colossiens 2.9. Hein? On peut le lire. Colossiens 2.9. Colossiens 2.9. Oh Seigneur, sauve-nous. Colossiens 2,9. Je vais lire. Mm -hmm. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En qui En, en Jésus. Jésus. Habite quoi Toute la plénitude de une la partie, divinité. Une partie, parce qu'il est une partie de Dieu Non. Toute la plénitude de la divinité habite en qui si on dit que toute la plénitude de la divinité habite en Jésus, ça veut dire que n'y a pas un autre Dieu quelque, quelque part caché. Toute la plénitude habite en Jésus-Christ. Eh ben, c'est le Dieu véritable. Voilà, le Tout-Puissant. C'est lui Jésus, le, le véritable Dieu. Et regardez mes amis. Et, euh, et euh, la parole est terrible. La parole est vraiment magnifique, mes amis frères et sœurs. Alors et euh, alors, d'où vient justement euh, 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 pourquoi euh, le Seigneur Jésus-Christ priait le Père Pourquoi euh, s'il est le Tout-Puissant Alors, comment c'est possible Frère, la parole, on a vu que la parole dit clairement que Yeshua est le Tout-Puissant Yeshua est le Dieu Tout-Puissant Yeshua est Dieu il est le rocher Dieu est le rocher. On a donné des passages bibliques on a donné des versets vous avez lu, vous avez vérifié, vous avez compris que Yeshua soit glorifié. Maintenant, euh, 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 d'où vient cette confusion de la Trinité, justement Eh bien, cette confusion vient du fait, du fait que, donc, il y a deux raisons. Premièrement, parce que le diable est celui qui l'a introduite dans les églises, donc cette euh, doctrine diabolique la, que la Trinité. La deuxième raison, c'est que beaucoup de pères de l'Église, qui sont à la base de cela, mes amis, étaient aussi ignorants et ils ont été... Influencés par leur propre culture. Et on va le voir tout à l'heure. Vous voyez? Ils sont sortis des, des, des pays où il y avait des triades. Il y avait des divinités euh, païennes qui étaient adorées. Plusieurs euh, trinités. Alors, en venant dans le christianisme, une fois qu'ils ont embrassé la foi chrétienne, le christianisme, je dirais, donc l'église romaine, ben, ils ont introduit ces hérésies-là dans le christianisme. Donc, c'est d'abord l'ennemi qui est à la base de cela. Et ensuite, il y a aussi l'ignorance hein, des uns et des autres. Voilà, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Voilà. Et euh, alors euh, regardez, mes amis, maintenant, euh, qui est euh, le Saint-Esprit? Eh bien, le Saint-Esprit, il est appelé l'Esprit de Jésus Christ. C'est clair. Donc, euh, c'est l'esprit de Jésus. Ce n'est pas une troisième personne de la Trinité. C'est l'Esprit de Jésus Christ. Allons voir dans euh, le livre de euh, Actes, chapitre 16. Quelqu'un peut-il nous lire là acte 16 6 à 7 acte 16 6 à 7 ayant traversé la phrygie et le pays de la galatie le Saint-Esprit leur défendit d'annoncer la parole dans l'Asie arrivés près de la Mysie ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'esprit de Jésus ne leur permit pas mais l'esprit de Jésus ne leur oui, oui. permit pas donc le Saint-Esprit on l'appelle l'esprit de Jésus c'est ça ça casse déjà mmh. cette trinité la diabolique mmh. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus, c'est clair. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Parce que Jésus est Dieu. Donc c'est l'Esprit de Jésus. Amen, amen. Voilà, c'est pas Chora qui le dit. C'est écrit. D'accord C'est écrit. On l'appelle aussi l'Esprit de Dieu. Mm -hmm. D'accord Donc euh, c'est Dieu lui-même. Voilà, c'est Dieu lui-même, mes amis. Et euh, oh, que Dieu nous aide. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Que Dieu nous, nous délivre vraiment de toutes ces, mes amis, euh, hérésies. Il y a tous ces mensonges dans lesquels, mes amis, nous avons baigné pendant des années et des années et des années. Et euh, donc, ouais, je suis en train de chercher, d'aller dans Galates Et euh, voilà, mes amis, que Dieu soit béni. Et, euh, Galate, Oh, que Dieu soit béni. Dieu, Dieu nous fait du bien. J'espère que le Seigneur vous fait du bien aussi, là, mes amis. Et euh, c'est beau quand la parole est, est, est manifestée dans toute sa splendeur, quand Yeshua est révélé à son peuple. Et euh, gloire à Dieu. Alors, voilà, on va aller rapidement dans Galates, chapitre, chapitre 2. On va d'abord rapidement aller voir dans, et euh, et euh, comment dire, l'Esprit de Dieu, donc l'Esprit de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. On va... Et voir dans euh, Romains chapitre 5, verset 5, jusqu'au verset 8. Herman, euh, voilà. Romains 5, 5. Hein. Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne confond pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oui. Donc, on sait que l'Esprit nous a été donné, donc oui. c'est l'Esprit de Dieu, c'est oui. l'Esprit de Christ. Hein, donc, euh, et c'est un don qui nous a été offert, qui nous a été donné par. Dieu lui-même, et euh, celui qui n'a pas. Donc on va Romains chapitre 8. Euh, Romains chapitre 8, merci Saint-Esprit, il nous aide beaucoup. Romains chapitre 8, mes amis, le verset 5. Romains 8, 5, car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Euh, Romains chapitre, n'est-ce pas et euh, euh, 5 verset 8, donc je, 8, 5, 8, on a dit 8, non 8. Voilà. Et euh, Romains chapitre 8, et euh, le verset 9. Le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si toutefois l'esprit de Dieu habite en vous. Si toutefois l'esprit de Dieu habite en, en vous. vous. Donc on voit que l'esprit de Dieu, le Saint, on l'appelle l'esprit de Dieu, mmh. ou l'esprit de Christ, hein, l'esprit de Jésus. D'accord Et verset 10. Et si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause... Mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels à cause de son Esprit qui habite en vous. À cause de son Esprit qui habite mmh. en vous. Donc, on voit bien que le Saint-Esprit, on l'appelle, on le présente comme l'Esprit de Christ, mmh. comme l'Esprit de Dieu, mmh. mes amis. Mmh. Et, et, et c'est terrible. Romains chapitre 9. Romain 9, verset 5. Les promesses, les pères et de celui est qui est, et de qui est sorti selon la chair, Christ qui est Dieu au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Christ Amen. qui est Dieu. <laughs> donc l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Donc la parole est claire, Christ est Amen. Dieu. Amen. Alléluia, Hallelujah. gloire à Dieu. Amen. Magnifique. Le Seigneur est vraiment magnifique. Le Seigneur est glorieux. Alléluia. Et euh, voilà. donc, Et la parole nous dit que si l'esprit de si l'esprit de, de, de Christ, celui qui n'a pas l'esprit de Christ. Mmh. Hein? ne oui. lui appartient pas. D'accord Donc 8-9. Donc euh, 8-9, tu peux le lire là, Herman Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si toutefois l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Christ. Christ. il amen. ne lui appartient pas. Donc vous voyez bien que le Saint-Esprit est appelé l'esprit de Christ. Amen, 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 amen. On acclame la parole, mes amis. Dieu, Dieu est magnifique. Est grave, hein. non mais, tu peux dire, tu peux parler, hein, tu peux parler, hein, pas de <laughs> souci. Je disais toutes ces doctrines qu'on nous a enseignées ou qu'on qu'on qu qu nous a inculquées en fait dans notre notre esprit, c'est grave, c'est vraiment grave. Et quand Dieu vient briser tout ça là, ça, c est, c est, c est, moi, ça me révolte. Voilà, 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 c'est ça. Ouais, voilà, donc, euh, et euh, nous sommes dans Galate. Oh, que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide, mes amis. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, voyez comment on est délivré, frères et sœurs, de, 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 de mensonges. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ. Vous voyez Et on le présente comme étant la troisième personne de la Trinité par les, par les, les religieux, et alors que c'est l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ. Mmh. Voilà. Et c'est Dieu lui-même donc ça n'a pas de problème et euh, donc on n'a pas ah, l'esprit de Chora ce n'est pas une deuxième Chora hein? l'esprit de Herman ce n'est pas, un hein? pas un deuxième l'esprit de Chora ce n'est pas un deuxième Chora l'esprit ce n'est pas un deuxième Herman mon esprit ce n'est pas une deuxième personne hein? à part euh, 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 totalement euh, différente de moi c'est une insulte l'esprit de Christ L'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus, l'esprit du Père. Mais c'est ce que la parole nous dit, c'est le Saint-Esprit. Dieu dit, ils ont attristé mon esprit. Vous voyez La parole est claire dans Isaïe là-bas. La parole est claire, frère et sœurs Oh, que Dieu nous aide. Quel, quel mensonge. Pendant des années, on nous a menti. Hein? On nous a menti. On nous a fait croire des inepties, des erreurs. Hein? Que Dieu nous, 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 nous délivre de toutes ces choses-là. Voilà. Donc, nous sommes dans Galates chapitre 3. Ah oh, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes dans Galate chapitre 4, pardon. Mmh. Verset 6. Mmh. Le, le force passage. Galate, Galate 4, verset 6. Galate 4, 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils. Ah <laughs> oui, 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 oui. <laughs> On y va. Wow. Dans vos cœurs, lequel crie Abba c'est-à-dire père. Maintenant donc, les... tu n'es plus esclave, mais fils. Ouh Or, si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Ok, Autre... okay. Oh, non, Je peux t'arrêter là. Bah, euh, on n'en peut plus là. Il ah, y a trop de choses. Il y, y, y a trop de choses là, mes <laughs> amis. Il y a, y, a, y a trop d'informations. On va aller doucement. On va aller doucement. Ouais, on se régale. Hein. C'est magnifique. Regardez, mes amis. Regardez, on va relire encore Galates 4-6 là. Et parce que vous êtes fils... Dieu a envoyé l'Esprit de, de son Fils dans vos cœurs. Wow. L'Esprit de son Fils a été envoyé où Dans mon cœur. Dans mon cœur. Dans mon cœur. <laughs> hein? A été envoyé où dans, dans, mon cœur. Cœur. Dans, mon dans mon cœur. cœur. L'Esprit de son Fils a été envoyé où Dans nos cœurs. Amen. Nous gardons ce passage-là. Nous allons dans Romains chapitre 5. Seigneur, oh délivre Verset 5. Romains 5, 5. Mmh. Alors, or l'espérance ne confond pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ah L'amour de Dieu, l'Esprit a été envoyé dans nos cœurs. Et c'est l'Esprit de Dieu. Donc dans Galate, quand dans Galate, chapitre, dans Acte 2, mmh. le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu. C'est l'esprit de Jésus amen, qui est descendu. Amen. Donc Jésus-Christ a dit l'homme est revenu mm, mm, mm. sous la forme de l'esprit. Mm. C'est wow. pour cela il a dit je m'en vais et je reviendrai. Mm -hmm. amen. Amen. Encore un peu de temps vous ne me verrez plus mm. et encore un peu de temps vous me verrez. Mm. C'est ça? Mm. Alléluia. Amen. Donc dans Actes 2 c'est Jésus-Christ qui est revenu sous la forme de l'esprit. Mm. Pour lui-même, il a dit quoi Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fin du amen, monde. Amen, 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 Mais on n'est pas encore à la fin du amen. monde. Alléluia. Alléluia, c'est là-dedans. C'est là-dedans, chrétien. Oh, Jésus, oh, Jesus. Ah, là, là. vous avez chaud, non ah. oh, yeah, 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 yeah. Nous <laughs> sommes dans Matthieu, nous sommes dans Matthieu, ça coule, ça coule, ça coule. Cool. Oh, la parole, alléluia. la parole alléluia. de Dieu, alléluia. mes amis, alléluia. nous alléluia. sommes dans Matthieu 28. Alléluia. Oh, Jesus Christ, oh, Jesus Christ. Alléluia. Oh, qu'il soit glorifié, vraiment, Yeshua, alléluia. vous allez découvrir votre Dieu, Jésus amen, Christ, amen, amen, notre amen. Dieu, Jésus alléluia. Christ, amen. Amen. parce qu'il est aussi mon Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Jesus Christ. Regardez au verset, verset 16. Mais les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mm -hmm. Dieu seul doit être adoré. adoré. L'ange dit à Jean, hein, dans Apocalypse 19. Ne m'adore pas, adore Alors, Dieu. Dieu, est... Dieu. Est... Les disciples ont adoré Jésus et il a amen. accepté leur amen, adoration. Amen, amen, Seul amen. Dieu doit être adoré. Amen. On continue, amen. mes amis. On continue, mes amis. On continue, mes amis. Amen. On continue. alléluia Mais quelques-uns doutèrent. Mais Jésus s'est approché leur par là en disant :« Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je, je suis. Je, je suis. suis. Wow. C'est celui qui s'appelle Je suis. Et voici Je suis, qui est parti avec Moïse jusqu'en Égypte. Hein? Quand il a dit à Moïse, celui qui s'appelle Je suis, en fait il voulait dire à Moïse aussi, partout où tu seras dans ta mission, je suis là. Amen. J'ai été, je suis, je serai là. Et voici Je suis. Il n'a pas dit je serai. Je suis. Il est Dieu, omniprésent. Alléluia. Voilà pourquoi dans Jean 3,13, il est dit, personne n'est descendu du ciel, si ce n'est que celui qui est descendu, le Fils de l'homme, qui est à même temps dans le ciel. Mais il est le je suis. Il, il est partout. Il peut parler du, depuis la terre, on l'entend on au ciel. Il peut parler depuis le ciel, on l'entend sur la terre. Parce qu'il est omniprésent, il, il, a, il, il, a, il englobe tout. Oui. Comment il peut parler au ciel et sur la terre mais Vous, vous n'avez rien compris. Non, il est Dieu. Comment? Mais vous vous raisonnez, vous l'avez limité. Avec nos raisonnements complètement limités. Mes amis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pour ça, que dans acte chapitre 2, mes amis, 40-50 jours après la Pâque, il est descendu sous la forme de l'Esprit. Et quand Paul va tâtonner dans Actes 16, l'Esprit de Jésus lui dit Ne va pas là-bas. Mm -hmm. mm -hmm. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Depuis le ciel, il coordonne tout depuis le ciel par son esprit. Il nous donne le parler en langue. Il nous donne les prophéties par l'esprit. Il amène des guérisons, des miracles par son esprit. Il opère des signes. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Alléluia, Alléluia. Oh, c'est pour cela il a dit dans, aux apôtres dans Jean 16 Il vous est avantageux que je m'en aille. Pourquoi Parce que en tant qu'homme, je suis limité. Mais je reviendrai en tant qu'Esprit, en tant que Dieu. Et là, Alléluia, Alléluia. Il a dit Quand l'Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Mais il parlera de moi. Pourquoi Parce que c'est mon esprit. Il doit parler de moi parce que il m'appartient. C'est mon esprit. Il me glorifiera. Mais il aurait pu dire il glorifiera l'autre le, euh, le, Dieu qui est au ciel. Mmh. Il a dit il me glorifiera, ô oh, chrétien. Mmh. Mais le Saint-Esprit, quand il arrive quelque part, il révèle Christ. Amen. Il Amen. glorifie Christ. Amen. Les chrétiens découvrent qui est Dieu. Amen. Là où il y a l'Esprit, c'est là où il y a le Seigneur. Mmh. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est dit de 2 Corinthiens Amen. 3, Amen. 17. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là où est là, la liberté. Vous voyez, dans nos églises, la il liberté, n'y la liberté. Parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui agit. C'est l'esprit du christianisme, mm -hmm. l'esprit égyptien, l'esprit de Babylone. Oh Jesus Christ. Oh Jesus Christ. Oh. Mes amis, que, que, que les écailles tombent. Vous voyez comment on a appelé le Saint-Esprit Comment on l'appelle le Saint-Esprit Mes amis, et on a pris l'esprit de Jésus, le Saint-Esprit, on l'a coupé de Jésus. Et on a, on a fait de lui la troisième personne de la Trinité. Mmh. Alors que Dieu n'est pas une personne. Dieu est plus qu'une personne. Dieu est plus qu'une personne. Dieu, mes amis, une personne est un être limité. Dieu n'est pas limité. Mmh? Vous avez compris maintenant qui est le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de Jésus. Il est l'Esprit de Dieu. Il est l'Esprit du Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même parce que dans Jean 4, 23-24, il est dit que Dieu est esprit. Donc c'est Dieu lui-même, tout simplement. Mmh. Voyez, frère, la parole est claire, chrétien. Alors, d'où vient cette confusion de la Trinité Elle vient de, de, de Satan, elle vient aussi de, n'est-ce pas, l'ignorance. Et euh, l'ignorance, pourquoi Parce que, euh, que Jésus-Christ a double nature 100% homme et 100% Dieu. Et donc, du coup, euh, euh, en tant qu'homme, les gens l'ont divinisé ils ont divinisé. Euh, euh, l'homme, Jésus, pour le faire le deuxième Dieu. D'accord Alors qu'en tant qu'homme, il n'est pas Dieu. D'accord En tant qu'homme, il, il était comme toi et moi. Limité, il pouvait avoir faim, il pouvait pleurer, il pouvait se fatiguer comme dans Jean 4. Là, là c'est le côté homme. Le côté homme n'est pas le côté Dieu. Alors les religieux ont pris le côté homme de Jésus, ils l'ont divinisé. Voilà pourquoi ils ont créé un deuxième Dieu. Qu'ils ont appelé Dieu le Fils. Et ils ont, divini... ils ont pris le... son esprit qui est Dieu lui-même. Ils l'ont ils coupé de Jésus et du Père. Ils ont créé une troisième personne. Et ils ont utilisé le terme, mes amis, persona. Ou encore, hypostase. Hypostase qui veut dire substantiellement, n'est-ce pas, euh, 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 différente du Père et du Saint-Esprit. Alors que Dieu n'est pas, mes amis, une personne. Et d'où justement, euh, mes amis, l'erreur. Ils ont, ils ont créé trois personnes distinctes en Dieu, alors que Jésus-Christ a double nature. On va lire rapidement des passages avant de vous montrer quelques images. Pour voir, on va voir la, la double nature de Jésus-Christ. Hein, euh, d'où vient la confusion, justement, euh, euh, de la Trinité, parce qu'on confond les, la double nature de Yeshua, qui est homme, qui est Dieu, et euh, tout est mélangé. Alors, allons voir le côté homme d'abord. On nous dit, et. Euh, dans Hébreu chapitre 2. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Oui. Hébreu chapitre 2, verset, n'est-ce pas, euh, 17. Quelqu'un peut lire C'est pourquoi il a fallu qu'il soit semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un grand prêtre miséricordieux et fidèle dans les choses qui doivent être faites envers Dieu pour faire la, propit la propitiation. Pour les péchés du peuple, car ah, bon. a... donc voyez et euh, il a fallu qu'il soit semblable à ses frères. Donc pour nous sauver, il a dû ce se... Dieu a dû s'incarner mm -hmm. pour devenir homme mm -hmm. comme nous pour pouvoir nous sauver. dans ses frères dans un premier temps c'est d'abord les Juifs, euh, ensuite nous autres et tout ça et euh, et ensuite regardez le verset 14, 2 14. Ainsi donc puisque les enfants participent à la chair et au sang lui aussi de même a participé aux mêmes choses afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a participé à la même chose, à la naissance physique. D'accord Comme tout le monde. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Et, et, et il fallait un sang pur. Et le seul sang pur, c'était le sang de Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui-même est descendu. D'accord sans le concours de l'homme, Marie est tombée enceinte. Mmh. Et on nous dit que l'ange disait à Marie cet enfant vient du Saint-Esprit. Donc on voit bien que c'est Dieu lui-même, par son esprit, qui est venu dans le ventre de Marie, mmh. n'est-ce pas Et Marie est devenue enceinte. Mmh. Et puis elle a conçu miraculeusement. Donc cet enfant est, était un enfant comme tout, tous les autres enfants, sauf que son sang était un sang pur. Mmh. Mmh. Et qui n'a pas péché jusqu'à sa mort. Mmh. D'accord Yeshua. Et euh, donc, regardez. Et euh, mes amis, Philippiens chapitre 2. C'est le côté homme, hein, toujours. Philippiens 2, et, euh, et, euh, c'est ça le mystère, justement. C'est un mystère. Le mystère de la piété, nous dit la parole. Mais il oh, n'y a pas dans la Bible le mystère de la Saint Trinité. Ça n'existe pas. Le mystère de la Trinité, c'est une invention catholique. Voilà. Philippiens 2, euh, euh, 5. Euh, Qu'il y ait donc en vous un sentiment qui a été en Jésus-Christ, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une usurpation. Cependant, il se vidait lui-même, ayant pris la forme de serviteur, fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en apparence comme un homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà, donc là c'est le côté homme. Il, a, il est devenu homme, 100% homme, d'accord Pour pouvoir s'identifier à nous, donc c'est Isaïe 7, 14, un enfant nous est, nous est né, un fils nous est donné, tout ça. Voilà, donc et Emmanuel, Dieu parmi nous, voilà, donc et il a pris une enveloppe humaine, comme Hébreu le dit, Hébreu 10. Donc c'est l'image du voile de la, du, du temple de, de Jérusalem, hein, qui séparait le voile qui séparait le saint du lieu très saint. Donc cette, cette, ce voile-là, c'était l'image de la chair de Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui couvrait le, le tabernacle. Et voilà. L'arche, pardon. Et regardez, maintenant nous allons voir sa, sa, sa généalogie en tant qu'homme. Donc en tant qu'homme, il a eu. Euh, euh, en tant qu'homme, hein, j'entends par là. Pas en tant que Dieu. En tant qu'homme, il a eu... Euh, il a une généalogie, d'accord Nous sommes dans Matthieu 1, au verset 1 livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et là, nous avons dans le chapitre 1er de Matthieu, la généalogie, n'est-ce pas, donc de Jésus-Christ. Et là, on nous parle de tous ses ancêtres, parmi lesquels il y avait aussi des voleurs, il y avait aussi des impudiques, des prostituées, comme arabes des étrangers, comme Ruth. Tout ça, c'est pour nous montrer que, n'est-ce pas, euh, euh, le Seigneur avait dans son plan prévu de sauver euh, les gens issus des nations Amen. aussi. Amen. Pas seulement Israël. Et ça, c'est magnifique. Et euh, donc, euh, ensuite, dans Luc chapitre 3, on a aussi une autre généalogie de Yeshua. Hein? Donc là, c'est le, le, le côté humain. D'accord Donc, on voit euh, comment il a commencé en tant qu'homme et comment il a fini en tant qu'homme par la résurrection, mort et résurrection. Et Luc chapitre 3. Et nous avons aussi et euh, la généalogie de Yeshua. Et euh, à partir du verset 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son service, étant comme on l'estimait, fils de Joseph, fils d'Élie, tout ça. Voilà, donc on, a, on va remonter jusqu'à Adam, jusqu'à fils de Dieu. Donc vous voyez, c'est le, de, le deuxième, le dernier Adam, selon 1 Corinthiens 15. Mmh. Donc nous avons ici les deux généalogies, n'est-ce pas, de Jésus-Christ en tant qu'homme et avec tous ses ancêtres, comme vous et moi. Nous avons aussi nos généalogies avec nos ancêtres. Jusqu'à Adam. Lui aussi, il s'est identifié à nous. Ça, en tant qu'homme. Maintenant, en tant que Dieu, on nous parle. Hein, euh, dans, dans, en tant que Dieu, regardez ce que. Hébreu, chapitre 7. En tant qu'homme, il est aussi fils de Dieu. Mais en tant que Dieu, il n'a pas de père. En tant qu'homme, il est fils de Dieu. N'est-ce pas? Mais en tant que Dieu. Il est tout puissant. Regardez Hébreu chapitre 7. Quelqu'un peut nous lire cela, s'il vous plaît Alors, verset 1 Hébreu chapitre 7, verset 1 Ça, c'est le côté divin maintenant de Yeshua. Amen. En effet, ce mec Lishédek, était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Et il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Et il le bénit et auquel Abraham donna pour sa part la dîme de tout. Son nom signifie, premièrement, roi de justice. Et puis, il est roi de Salem. C'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ah, on <laughs> nous dit que est Jésus-Christ, n'a pas de père, n'a pas de mère. Donc Jésus-Christ, en tant que Dieu, n'a pas de père. En tant que Dieu, c'est lui-même Dieu Tout-Puissant, le Père Tout-Puissant. Vous voyez C'est pour cela que quand Philippe lui pose la question, montre-nous le Père dans Jean 14, cela nous suffit. Il dit il y a si longtemps que je suis avec vous, je suis toujours. Tu ne m'as pas connu. Mm, mm, mm. Voilà. Vous voyez Et pa parfois, il appelle les apôtres, mes enfants. Mmh. Quand il est ressuscité, il a dit quoi Mes enfants, n'avez-vous rien à manger <laughs> Mes enfants. <laughs> <Les> enfants. <rire> <rire> Donc, nous sommes les enfants de Jésus. Il le dit lui-même, ce n'est pas, lui, pas moi. Il dit, mes enfants. Vous voyez, c'est terrible. Hein? Et il a dit dans Jean 17, quand il priait en tant qu'homme, quand il priait le Père en tant qu'homme, hein? il y en a, ils vont dire, mais oui, mais comment il peut prier Dieu, euh, le Père s'il est lui-même Dieu il était 100% homme et 100% Dieu. Mais en tant que Dieu, est-ce que vous voulez limiter Dieu Il fait ce qu'il veut. Mm -hmm. Dans Exode 34, Dieu parlait de lui-même à la troisième personne. Mm -hmm. Yahweh, Yahweh, Dieu Tout-Puissant, tout ça. C'est comme s'il parlait à quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Non, en fait, on le voit avec Jésus, c'est pareil. C'est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il n'a des comptes à rendre à personne. Mm -hmm. Voilà, il est Dieu. C'est ça qui c'est ça qui, qui, qui le différencie de nous. Parce qu'il est Dieu, nous sommes des créatures. Amen. Voilà. Amen. Il est mm -hmm. Tout-Puissant. Pourquoi vous voulez le limiter Parce qu'il ne peut pas faire ci, il peut pas faire ça. Non, faut qu'on arrête. Mes amis. Et regardez. Et. Euh, Frère et sœurs, et, et, et Yeshua, justement, et, et, et s'est présenté aux apôtres en tant que après sa résurrection. Hein, il dit euh, euh, Mes enfants, n'avez-vous rien à manger Tout ça. Donc, il est vraiment le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire, le Père, éter, Père Éternel, comme Esaïe le dit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mm -hmm. On l'appellera Père Éternel. Hein, on peut le lire hein? mm -hmm. Esaïe 9, 5. Voilà. Ce passage la dérange beaucoup les trinitaires, hein. <laughs> Ils aimeraient bien l'enlever, mmh, mais, mais malheureusement c'est dans la Bible pour eux, malheureusement pour eux. Hein. Donc heureusement pour nous. Alors je vais lire. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et l'empire reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, Amen. le Père d'éternité, le Prince de la paix. De paix pour accroître l'Empire et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, pour l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà. Voilà ce que fera les Voilà. Amis. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, mm. hein, le Dieu puissant, mm. le Père d'éternité. Mm. Ah oui, mais c'est clair. Le Fils. Mm. Le Fils. Mm. fils. C'est clair. Un Fils. Un, un, fils, nous un fils. fils. Oui, oui, oui. Fils, enfant, fils, Père. Mm. Il remplit tout. Voilà. C'est écrit en fait. Mais oui, écrit. ce sont des fonctions, des rôles qu'il joue. Mm -hmm. Voilà, des modes de révélation. Mm -hmm. Il est conseiller, il est père, c'est est des fonctions parce qu'un père et dans une fonction de, de voilà pour paterner euh, n'est-ce pas les gens pour euh, aider pour soutenir pour euh, voilà c'est il est père il est enfant il est fils il est admirable il est conseiller il est euh, prince il est tout il est tout, le chemin la vérité la vie la lumière l'eau l'épée le feu tout c'est Jésus-Christ de Nazareth le lion l'agneau tout oh, c'est comme c'est comme nous moi quand je suis avec ma mère je prends mon rôle de fils. Bien sûr. Avec mes enfants, mon rôle de père. Bien sûr. Et c'est simple. Avec ta femme, tu prends le rôle, tu exerces le rôle de l'époux. De l'époux. Voilà. C'est simple. C'est ça, ce sont des, des fonctions. C'est tout. Une seule personne, mais qui joue plusieurs fonctions, c'est tout. Ouais. Voilà. C'est le même Dieu, le seul Dieu. Ouais. En fait, c'est la révélation de Dieu en fait qui manque en ici. Fait. le problème c'est, euh, comme euh, il y a beaucoup de cailles qui doivent tomber. Il y a beaucoup de, le voile est sur beaucoup de, de, de chrétiens avec le christianisme que Jésus-Christ n'a pas bâti. Mm -hmm. Ça vient, n'est-ce pas, des pères de l'Église. Ça vient de Constantin. Et le problème se situe à ce niveau-là. Mm -hmm. Les apôtres connaissaient le véritable Dieu. Mm -hmm. Par exemple, dans Jean 17, le Seigneur prie en tant que souverain sacré, en tant que grand prêtre, mm -hmm. en tant que homme. Il prie le Père il dit, et dit :« Et je leur ai fait connaître ton nom. » Donc, d'accord Quand il parlait comme ça, Pierre, Jacques et Jean étaient là. Et Pierre dit quoi dans acte 4, 12 Il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui nous a été donné par, par, par lequel nous devions être sauvés si ce n'est le nom de Yeshua, Jésus-Christ. Donc Pierre a, connu que, a compris que le nom du, du Père, c'est le nom de Jésus. Il, il, le Seigneur dit baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ils ont baptisé comment Au nom de Jésus. On le voit comment ils ont baptisé. Alléluia. Voilà, est-ce qu'ils se sont trompés Non, parce qu'ils ont compris que le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, parce que c'est le même Dieu, c'est Jésus. Voilà, Yahweh est sauveur, c'est ça Jésus il est Yahweh est sauveur. C'est ça, Yahweh qui est venu. Il viendra lui-même. Voilà Voilà pourquoi ils ont baptisé au nom de Jésus. Regardez bien, mes amis. On peut le voir. Alléluia. Gloire à Dieu. Magnifique le Seigneur. Dieu est glorieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes, mes amis, dans Acte chapitre 8. Alléluia. Gloire, Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Magnifique. Alléluia. Et on a annoncé le nom de Jésus-Christ partout. Hein. Donc, euh, et euh, voilà. Verset 12. Quand ils eurent cru ce que Philippe leur annonçait touchant l'évangile du royaume de, de, de Dieu et le nom de Jésus-Christ, tant les hommes que les femmes furent baptisés. D'accord Et euh, ensuite, on voit dans Acte toujours 8, chapitre, euh, chapitre 8, verset. Et euh, voilà, les et a ont été baptisés. Euh, mais c'est plutôt Acte 10, voilà. Acte 10. Et, et ensuite, euh, au verset, et euh, verset 47. Alors Pierre prenant la parole et dit Quelqu'un pourrait-il pourrait empêcher qu'on baptise dans l'eau ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom de qui Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. D'accord Donc c'est le nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur ici. Et, vous savez, il y, y, y a des passages. Et, il est dit, regardez, dans. Il y a une pensée qui m'est venue dans euh, Joël 2.32. « Quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Le nom de Yahweh. Et Paul dit quoi dans euh, Romains, 12, Romains 10, 12 Quiconque 13 là-bas, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera. Là, dans, le, dans la nouvelle alliance, on a remplacé le nom de Yahweh par Seigneur Adonai. Parce que les Juifs avaient peur de prononcer nom, ce nom, n'est-ce pas Et ils l'ont remplacé par Hachem. Le nom, ou encore par Adonai, le Seigneur. Donc en fait, Romain 12 là-bas, c'est le nom de Yahweh, donc Yeshua. Mm -hmm. Et regardez dans 1 Corinthiens 3, Paul dit il écrit sa lettre, il dit à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mm -hmm. Donc c'est le nom de Yeshua qui était invoqué, le nom de Yahweh. Vous voyez C'est terrible, mes amis, c'est terrible, chrétiens. Et, euh, et regardez, ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans euh, acte. Euh, euh, et, euh, chapitre euh, 16. Hmm. Acte chapitre 16. Et. Euh, donc, ils étaient. Euh, euh, le nuque a été baptisé. Mais je vais plutôt prendre. Vais plutôt prendre un Corinthien. Je crois que c'est acte 19. Oui, c'est ça. Acte 19. Voilà. Et. Euh, voilà, verset 5, après avoir entendu ces, ces choses, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc vous voyez bien que baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit et on, on baptisé au nom de Jésus. Donc parce que, le, même dans le grec, le nom euh, dans euh, à, à Matthieu 28 là-bas, 19, est au singulier. Il y a un seul nom. Père, Fils et Saint-Esprit porte un seul nom. Il y en a trois dans le ciel qui rendent le témoignage. Ce n'est pas trois personnes distinctes. C'est des modes de révélation. Mmh, mmh. Père, fils et Saint-Esprit, c'est le Dieu Tout-Puissant, le seul Dieu qui s'est révélé sous différentes manières. Maintenant, mes amis, quand cette doctrine a été diffusée, donc la Trinité, le premier homme à avoir utilisé le mot Trinité d'après les histoires, c'est, euh, euh, comment dire, euh, bien comme il faut hein, dans le christianisme, c'est Tertullien et, euh, euh, de Carthage. Tertullien de Carthage, pourquoi Tertullien Parce qu'il était un, un, un évêque. Et, euh, il a vécu entre 150 et 222 après Jésus-Christ. Il venait de Carthage en Tunisie. Or, à Tunis, euh, à Carthage précisément, on priait une triade, une divinité à trois têtes Baal, Amon, euh, Tani et, euh, et euh, une troisième divinité. On va nous montrer tout à l'heure les images. Et, euh, donc, Tertullien a n'est-ce pas parler dans ses livres euh, donc euh, de la Trinité et ensuite il y a eu Athanase euh, d'Alexandrie Athanase, Athanase d'Alexandrie qui était aussi un, 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 qui était un patriarche hein, donc et Pat, Athanase et mes amis euh, a commencé à à développer cette euh, doctrine complètement démoniaque et euh, pourquoi Athanase parce que justement c'était un homme qui était euh, influencé donc euh, par la culture égyptienne et euh, sachant qu'à alexandrie alexandrie était à l'époque la plus grande euh, la ville qui contenait la plus grande bibliothèque n'est-ce pas de l'empire romain il y avait beaucoup d'intellectuels là-bas et beaucoup de philosophes notamment et euh, Athanas était influencé par la triade égyptienne c'est-à-dire osiris isis et horus voilà, et Athanase a cru que le, le Dieu de la Bible était un Dieu trinitaire. Voilà comment il va mettre en place, selon les historiens, hein, la doctrine de la Sainte Trinité, n'est-ce pas Et allons voir rapidement la confession de foi d'Athanase, si vous l'avez, mes amis. La confession de foi d'Athanase, David, vous l'avez C'est possible oui. Ok, on va, on va montrer aux frères et sœurs la confession de foi d'Athanase. Vous voyez, c'est une insulte, frères et sœurs, c'est grave, l'heure est grave. Il faut vraiment qu'on soit délivré de la Trinité. C'est une doctrine démoniaque. Et ceux qui la défendent, de mes amis, il y en a qui sont ignorants comme nous dans le passé. Priez, prions pour ces hommes et ces femmes. Et Dieu va les éclairer. Parce que Jésus-Christ est le seul véritable Dieu. Voilà. Donc, euh, la confession de foi d'Athanase. Le, le symbole. Ouais, la confession de foi ou le symbole. Après. Voilà ce que Athanase va développer. Voilà. Donc, euh, il va mettre ça. Et on va voir les écrits. Donc déjà, il a mis un triangle, vous voyez. Hein? Donc on sait d'où ça vient, le triangle. Hein? C'est la pyramide, hein? donc c'est Babylone. Voilà voilà ce que euh, les trinitaires... Bah oui, c'est une pyramide. C'est une pyramide, c'est complètement... C'est pour cela que je vous dis que le christianisme a pour fondement euh, Babylone. Tout est né dans Babylone. La, la femme d'Apollos 17 la mère des prostituées. Mais dernièrement, euh, dernièrement je, je me sens que sur Internet, j'ai vu le même symbole. Oui, où c'est écrit euh, le Fils est Dieu, le Père est Dieu. C'est ça? Voilà. Donc, mais c'est ça? C'est grave. Donc là, c'est du latin. Hein, pater, Deus, euh, Spiritus, euh, Deus, et euh, Philus, Deus. Et, euh, voilà, mais l'Esprit n'est pas le Fils, le ouais, Fils n'est pas le Père. Voilà. voilà ça. Ça. Donc c'est complètement incohérent. C'est complètement. Euh, voilà c'est vraiment une insulte voilà donc on a mis le père en haut le fils en bas l'esprit en bas et tout ça même Paul n'a jamais mis en place voilà ils ont mis un dessin complètement pyramidal babylonien et et beaucoup des millions de chrétiens des milliers de pasteurs Enseigne cela à une doctrine qui n'a aucun fondement biblique, mes amis. Prenez le billet de 1 dollar, vous allez retrouver la même pyramide, voyez Donc le nouvel ordre mondial, on retrouve la même chose. Voilà, c'est une divinité complètement démoniaque, des divinités, trois divinités démoniaques qu'on nous a présentées. Allons voir la, la, les écrits, si c'est possible, le symbole d'Athanase. Voilà. C est, c est le, le, ils ont affirmé cette, ce symbole, cette doctrine au Concile de Nicée en 325. En Bithynie, hein, en 325 après Jésus-Christ. C'est là qu'ils ont engendré officiellement, c'est là qu'ils ont enfanté officiellement le christianisme euh, tel qu'on le, le voit malheureusement aujourd'hui, mes amis. Euh, c'est grave. Et regardez ce qu'ils disent dans ce symbole d'Athanase. Et euh, et euh, voilà. On va grandir un peu en haut là, si c'est possible. Voilà. Quiconque veut être sauvé doit avant tout. Croire hein, doit avoir foi, croire en la foi catholique. Voilà. Et la foi catholique, pour eux, c'est la foi hein, qui euh, est basée sur euh, la Trinité. Alors. Que... Voilà. Et on retrouve ça dans nos églises aujourd'hui, chez les pentecôtistes, les baptistes, euh, les anabaptistes, les églises de réveil soi-disant, les églises indépendantes, tout ça. Et on retrouve ça chez beaucoup de, chez nos bishops, la plupart, il y a seulement une minorité de chrétiens qui renoncent, qui rejettent cette doctrine diabolique et cette minorité est traitée de secte, de gourou, de faux chrétiens et on les, on les persécute. Comme on a persécuté hier ceux qui étaient contre cette doctrine. Alors il y avait à l'époque bien sûr au troisième siècle un homme du nom de euh, Sabellius. Sabellius euh, était un homme euh, qui était contre la Trinité. Sabellius il s'appelait et, euh, et euh, il était contre la Trinité et il était, il s'est installé à Rome au troisième siècle. Il a combattu la Trinité et il disait ben, comme nous, hein? j'ai découvert ça il y, a pas long, il, y a, il y a quelques jours là. Ça m'a même encore aujourd'hui j'ai découvert ça bien comme il faut. Et euh, il était contre la Trinité et il disait que Dieu est un et Jésus-Christ est Dieu, euh, et le Père est Dieu, le Fils, l'Esprit est Dieu, mais c'est le même Dieu. Et c'est des modes de révélation simplement. Hein? Que le Père s'est manifesté, euh, le, le Fils s'est manifesté, l'Esprit s'est manifesté, mais c'est le même Dieu. Il n'y a pas la Trinité. Ce sont des modes de fonction que Dieu euh, a joué, que Dieu joue. Voilà, il a été persécuté, beaucoup combattu. Il y a eu Arius qui lui, par contre, ne croyait pas que Jésus-Christ est Dieu et euh, il était contre la Trinité aussi. Donc euh, Arius a été combattu et, euh, et bon, bah, malheureusement, lui, il était complètement, il était hérétique parce que il est renié, il, il n'avait pas, euh, il croyait pas que Jésus-Christ est Dieu. Mais par contre, Sabellius, euh, quant à lui, croyait que Jésus-Christ est Dieu et que c'était lui-même le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. Et, euh, et ils ont, les pères de l'Église l'ont beaucoup combattu, ils l'ont traité d'hérétique et ils ont, n'est-ce pas, euh, euh, appelé sa compréhension de l'Évangile euh, le, euh, le modalisme. Voilà, donc, euh, et, euh, et ils l'ont complètement persécuté. Et il fallait que tout le monde croie en la Sainte Trinité, qui était une doctrine propulsée par l'Église romaine. Alors, beaucoup de chrétiens, même des protestants, se disent qu'ils ne sont pas catholiques, mais en fait, parce qu'ils croient en la Trinité, ils, ont, ils sont, mes amis, euh, euh, ce sont les enfants de l'Église catholique, et ils sont encore rattachés à l'Église de Rome, parce que cette doctrine n'a aucun fondement biblique. Quand ils disent que les trois anges, dans Genèse 19, c'était la, 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 la Trinité, mais c'est une insulte. Parce qu'on voit bien dans Genèse toujours, hein, au chapitre, euh, dans les trois anges dans Genèse 18, euh, et, euh, on voit bien que les deux autres, les deux anges arrivent à Sodome et Gomorre et on dit qu'ils sont des anges. D'accord Le troisième, par contre, ce n'était pas un ange c ordinaire, c'était Yahweh lui-même. Mais les deux autres, c'était des anges, tout simplement. Qui sont arrivés jusqu'à Sodome, donc ce n'est pas la Trinité. Quand ils disent que lors du baptême de Jésus-Christ, la voix qui s'est fait entendre du ciel, euh, le Fils qui était dans l'eau et l'Esprit qui est descendu, c'est la Trinité, mais c'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi, mes amis, c'est vraiment n'importe quoi. On a bien vu que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, euh, Dieu est tout puissant, il peut parler depuis le ciel, depuis la terre, depuis partout, il, est, il fait ce, ce qu'il veut. Voilà, tout ça, ce sont des inventions purement humaines. Hein, donc, euh, ils, ont, ils essayent de, de trouver des versets ici et là qui déforment pour pouvoir justifier leur Trinité qui vient de Babylone, qui vient de l'Égypte, qui vient du monde, qui vient de, 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 de l'enfer carrément. Vous savez, Jacques nous dit dans Jacques 2,19, Jacques dit, nous croyons que... Vous croyez que Dieu est un, vous faites bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons croient que Dieu est un, que Dieu n'est pas trinitaire, mm -hmm. mais ils ont, inspiré, ils ont inspiré la Trinité aux hommes pour les égarer. Les démons, les démons eux-mêmes croient que Dieu n'est pas trinitaire. Ils le savent. Vous voyez Et euh, Galates 3, 20 nous dit que, mes amis, que Dieu est un. Il y a un seul Dieu. Dieu est un. 1 Timothée 2, 5 nous dit que euh, Dieu est un et aussi le médiateur entre Dieu et les hommes est un. Vous voyez Donc, euh, 1 Timothée 2, 4 à 5 là-bas. Donc, il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Toutes les écritures nous disent que il n'y a qu'un seul Dieu. Vous allez me dire, mais oui, Jésus-Christ assis sur le trône. On nous dit qu'il est venu prendre le livre de celui qui est assis sur le trône. Mais on nous dit que l'agneau était au milieu du trône. Vous voyez pas que, frère, c'est comme si a des contradictions, il n'y a pas de contradictions. Ce sont des images, n'est-ce pas Le livre d'Apocalypse est un livre rempli de symboles. Il y a des choses qu'il ne faut pas interpréter littéralement quand on parle de la bête, par exemple c'est pas une bête bête comme un animal qu'on connaît qu'on qu voit c'est une image c'est un, c'est une image c'est des symboliques hein, ce sont des symboliques donc quand on parle de la femme qui a, est n'est-ce pas une femme qui, 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 qui est enceinte qui a donné naissance à un enfant donc ce n'est pas euh, comment dire c'est une image également donc l'apocalypse est un livre rempli d'images donc, et beaucoup de gens ont voulu interpréter certaines choses de manière littérale, et ils ont, mes amis, euh, euh, ils se sont éloignés de la vérité. Et quand on dit que Yeshua est assis à la droite de Dieu, cela ne veut pas dire qu'il y a deux personnes sur le trône. C'est une position, tout simplement. C'est une, une image, c'est une position, tout simplement. Et les gens confondent tout, alors, tout est mélangé, tout est. C'est grave. Et c'est pour cela, mes amis, quand on veut toucher à la doctrine, surtout en ce qui concerne Dieu, parce que Dieu, personne ne peut le définir. Tel qu il, quand il viendra, on le verra véritablement tel qu'il est. 1 Jean 3 nous le dit. Mais de là, aller le, le disséquer, disséquer en trois personnes distinctes, c'est une insulte. C'est grave. Vous voyez, c'est très, très grave. Et euh, regardez maintenant les images de la Trinité, mes amis. Et euh, voilà. Vous allez voir quelques images là, pour vous montrer d'où ça vient, euh, d'où vient cette doctrine qu'est la Trinité. Voilà. En tout cas, pas des Hébreux, pas de Moïse, pas de Jérémie, pas d'Esaïe de d'Esaïe. Mais ça vient des nations, ça vient du monde. Voilà. Il faut savoir que et euh, et euh, le christianisme a incorporé, incorporé euh, euh, une grande partie des doctrines d'origine païenne, n'est-ce hein, pas, pour maintenir les païens de l'Empire de, de romain dans cette nouvelle religion. Voilà. De, de manière à ce que chaque croyant... Originaire de, de, de nations euh, autres que Rome puisse trouver dans cette nouvelle religion, eh ben ses propres divinités. Voilà, voilà. Donc les similitudes avec leur culte, culte complètement païen, paganisé. Voilà. D'où justement euh, la multitude de, des saints qu'il faut, mes, mes amis, adorer ou faut invoquer pour euh, être euh, exaucé. Tout ça. D'où la médiation euh, mariale, tout, simple, tout simplement. Voilà, donc là, voilà l'image, Donc vous avez trois personnes distinctes, là c'est une image catholique, voilà, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc euh, honnêtement, et on, on ose dire aux gens, en fait, non, il y, a trop, il y a pas trois dieux, mais là, vous avez trois personnes distinctes, là, voilà. Voilà, donc, on, on continue, d'autres images, là, on va balancer les images, là, c'est euh, la Marie qui a, aidé, qui a été aussi divinisée, chez, chez, dans l'église romaine, voilà donc là vous avez euh, dans l'hindouisme hein, donc vous avez Brahma hein, donc euh, Vishnu et Krishna voilà donc euh, l'hindouisme euh, on retrouve dans le christianisme aussi une partie de l'hindouisme malheureusement voilà notamment avec la doctrine de la Trinité voilà donc là vous avez trois têtes hein, très honnêtement et on ose dire quand même non mais en fait ils sont pas trois mais de qui se moque-t-on oui. de qui se moque-t-on c'est grave et là, sachez que Isis était une déesse hein? Isis était une pardon, Isis chez les Égyptiens était une déesse. Donc elle est chez les catholiques représentée par Marie la mère de Dieu soit-disant alors que Dieu n'a pas de mère. On l'a vu dans Hébreux 7. Voilà. Regardez là, voyez cette divinité en train d'allaiter donc son 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 bébé et euh, on retrouve ça chez les catholiques. Voyez Donc là, c'est terrible, on retrouve cette divinité également chez les hindous. Voilà. Donc là, c'est Sémiramis. Hein, la première image à, à, à gauche de l'écran, c'est Sémiramis. Ouais, euh, et ensuite, Sémiramis, euh, la femme de Némrod dans Genèse 10, et, hein, qui a donné ta muse, qui était pleurée. Hein, dans, comment dire, si vous lisez dans Ézéchiel chapitre 8. Ensuite, vous avez Isi, ou Iswara, donc aninde. Vous voyez C'est la même divinité, c'est le même démon. C'est terrible. Vous voyez Donc, euh, et là, chez les catholiques, hein, vous avez Madonna, euh, euh, la mère de Dieu. Voilà. C'est terrible. Hein? Oui, c'est ça. C'est terrible. Regardez une autre image catholique. Vous avez le père. Avec la barbe blanche, hein, oh, le fils et la colombe, et la colombe au dessus, c'est le Saint-Esprit. Donc voilà. Avec, euh, c'est ça que on, on retrouve même cela dans les églises, dans certaines assemblées évangéliques. Voilà, dans certaines librairies chrétiennes soi-disant. C'est un, une insulte au Dieu d'Israël qui est un, au Dieu de la Bible qui est un. Voilà, Jésus-Christ n'a pas professé euh, un Dieu trinitaire. C'est lui notre exemple. Si Dieu était trinitaire, Jésus-Christ l'aurait enseigné. Et ce n'est pas ce qu'il a enseigné. Il a dit Dieu est un. Écoute Israël, Dieu est un. C'est ce que Jésus-Christ a enseigné. On me dira, mais oui, mais la révélation n'était pas encore était progressive. Jésus-Christ a enseigné le véritable Dieu. Voilà. C'est tout. Regardez, je finis les images, après on pourra partager. On, on va montrer, voilà. Donc d'autres images encore, on continue. Donc ben là, voilà, c'est pareil, hein, la notion de la trinité. Et euh, on continue. Il y a, donc, il n'y a pas d'autres images de divinité Ok, merci, l'équipe. Donc, voilà, là, on retrouve la trinité, la triade égyptienne. On retrouve la hiérarchie. Voilà, I, IHS Isis, Horus et. et euh, voilà. Donc, on va descendre un peu parce qu'on ne voit pas les noms. Osiris. L'équipe, on va monter pour voir en bas voilà 7. ouais donc on a Isis Horus et 7. parfois c'est Isiris hein? Isiris Isis et Horus donc voilà on retrouve cette divinité trois divinités qui étaient adorées les divinités principales en Égypte et on retrouve euh, voilà la reine mère avec son enfant d'accord voilà donc euh, ça c'est Isis et on retrouve euh, Osiris hein? les noms à chaque fois les, les gars s'il vous plaît mes frères Osiris, Isis et Horus. Et on retrouve ça, hein, donc euh, voilà, donc euh, c est, c est, on retrouve ça dans, les, dans, dans le christianisme. Et euh, voilà. Donc euh, le Sacré Cœur, voilà, c'est complètement babylonien. Voilà, donc... Euh, voilà, Horus, on dit que c'est Jésus, ça c'est le, le faux Jésus, tout simplement. Voilà. Le Jésus de la Trinité. Voilà, donc là vous avez les divinités égyptiennes et euh, pareil hein, donc, euh, les triades euh, égyptiennes euh, babyloniennes tout ça et, et on retrouve ça chez les grecs chez les romains il y a zeus il y a minerve tout ça euh, voilà donc il y a Junon hein, qui a donné juin hein, le dieu de la, du mariage hein, de, voilà et, si je ne me trompe pas voilà donc frères et sœurs vous qui suivez vous voyez toutes ces images voilà donc on trouve des divinités trinitaire et dans presque toutes les nations. Et Israël était, n'est-ce pas, avant que la loi ne soit révélée, Israël, avant que mes amis, quand Abraham a reçu la révélation du véritable Dieu, Israël était la seule nation à professer la foi en un Dieu unitaire, un Dieu un, en un seul Dieu. Bien sûr, il y a certains parmi les juifs priaient d'autres divinités, comme Baal, tout ça. Mais euh, le peuple fidèle à la parole de Dieu, chez les juifs, le reste, ceux qui étaient attachés à la parole, prier le véritable Dieu est le, le seul et le seul Dieu, maître de l'univers, maître du ciel et de la terre. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc, on voit toutes ces choses, frères et sœurs, ce ne sont pas des histoires qu'on vous raconte. C'est la parole de Dieu. Voilà. Qui est votre Dieu maintenant mmh. Qui. Quel est quel est le nom de Dieu que vous priez que vous adorez que vous invoquez vous voyez? Et euh, je sais que beaucoup de pasteurs, hein, suite à ces enseignements, euh, pasteurs africains, ou européens, sont en colère et euh, d'autres veulent faire des, font des enseignements pour rattraper leurs oies, parce qu'ils s'aperçoivent que des chrétiens découvrent la vérité, et, euh, euh, découvrent qui est Dieu et, euh, et se retrouvent avec le véritable Seigneur et ils ne veulent pas, ils veulent vous ramener encore en prison pour aller adorer ces démons. Frères et sœurs, sortez de là, courez, courez, prenez vos jambes à vos cou, hein, prenez vos jambes à vos cou, courez, courez, sortez de là. Sortez de là. Ni, ni, ni Jésus, ni Esaïe, ni, ni Jérémie, ni Abraham, le père de la foi, le père de la foi, notre père de la foi, Abraham, n'a pas prié plusieurs divinités. Non. On dit bien que Abraham est le père de la foi. Mais en tant que notre père, quel est l'exemple qu'il nous a laissé? On dit bien que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais quel est, quel est le nom de ce Dieu C'est Yahweh. Mm -hmm. Et aujourd'hui, c'est Yeshua. Yahweh est sauveur. Alors, pourquoi prier plusieurs divinités Pourquoi adorer plusieurs divinités chrétiens Que Dieu nous sauve. Que Dieu nous garde. Et vous qui aimez la vérité, si vous avez un doute par rapport à cet enseignement, pliez les genoux chez vous, priez. Dieu se révélera à vous. Vous savez, Dieu se révèle. Hein? Dieu se révèle. Voilà. Il va se révéler à ses véritables enfants. Voilà. Le, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreu chapitre 8, 13. 13. 8, pardon, le dit. Yeshua est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le seul le véritable Dieu. Alors, si vous avez des questions, de, vous avez cinq minutes pour, pour poser des questions, vous pouvez appeler. Ou si vous voulez peut-être intervenir, vous qui êtes sur le plateau, pas de problème. Voilà. Alors, euh, moi, ce qui me choque dans, dans tout ce qu'on a vu, c'est que le Seigneur dit dans sa parole de ne pas faire de représentation. Mmh. Si il y a d'autres images, frère, vous pouvez balancer, hein. Pendant qu'on parle, il a pas de problème. De, pas, de ne pas faire d'image taillée, ni de représentation de ce qui est dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et on voit que le catholicisme, ils ont, ils ont fait plein d'images de Jésus, alors que comme tu l'as souvent dit, quel est le photographe qui a pris la photo de Jésus Parce mmh. qu'on ne sait pas comment il était Jésus. Mmh. Et euh, même le Père, on ne sait pas. Euh, voilà, Dieu est Esprit en fait. Mmh. On peut pas, c'est pas imageable en fait. Et c'est pour cela que Dieu s'est révélé sous plusieurs formes. Mm -hmm. Et donc voilà, donc ça induit vraiment les, les chrétiens en erreur. Et, euh, et ça, ça conduit à l'idolâtrie en fait. Complètement. Et euh, donc voilà. Et... Regardez là la, la, la triade hindoue là encore. Là. Si on peut la grandir là au milieu là. C'est moche là. On voit vraiment que c'est des démons ah oui. carrément. Brahma, Vishnu et Krishna. Hein. Et, et vous allez dire à un hindou. Euh, oui, notre Dieu est trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il vous dira ben, c'est le même Dieu chez nous. Mmh. C'est le même Dieu, donc on prie le même Dieu. Voilà. Tous, nous, on reste dans l'hindouisme. On reste dans l'hindouisme. Ouais, ouais. Regardez, Regardez cette insulte un monstre. Un monstre. Ben, comment, je peux parler au micro, hein, Hervé, il a pas de problème. Ça ne donne pas envie aux gens de venir à, à, à Dieu Quand ben voilà. on, on présente un Dieu. À... En fait, c'est la confusion. Compl complètement. C'est la confusion. Ils ne vont pas savoir comment prier Dieu. C'est terrible. On ne sait pas lequel prier parce qu'il y en a trois. Oh, ça. Lequel aimer le plus. Lequel invoquer. Oh. Voilà. Et, et, et regardez, Étienne, quand on l'a lapidé, il a dit quoi Seigneur Jésus-Christ, je te remets mon esprit. Et dans euh, Ecclesiastes 12, on nous dit que l'esprit, hein, à la mort, retourne à Dieu. Donc Étienne connaissait cette parole-là. Et donc, si Jésus-Christ a pu recevoir l'esprit d'Étienne, selon euh, Ecclesiastes 12, c'est que Jésus-Christ, c'est Dieu. Voilà. Donc, c'est tout. Je pense aussi que euh, toute, cette, toute cette trinité qu'on voit aussi euh, dans, dans les autres nations, et aujourd'hui dans le christianisme, c'est aussi, euh, je pense, que c'est aussi pour rassembler les religions. Dans, voilà. Dans cuménisme Effectivement. Regardez l'image qu'on a. On revient sur l'image d'avant. Si on peut l'agrandir, c'est beau. Euh, ce qu'on voit ici, enfin, je veux dire, c'est beau. C'est très parlant. Hein. Donc là, il y a voilà les triades qu'il y a. Hein tous les mondes, en fonction des pays. Voilà, en fonction des pays. Voilà. Et en fait, c'est dans le sens pour dire que voilà, euh, on a tous trois dieux. Euh, unissons-nous. Unissons voilà, unissons-nous, prions euh, dans le même lieu. Voilà. Vraiment, Donc, euh, on retrouve euh, euh, au Liban, c'est Canaan, tout ça. Mmh. Premièrement, Baal. Mmh. Deuxièmement, tam, 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 Tamuse. Mmh. Troisièmement, à Astarté. Hein, mmh. Chez les Phéniciens, elle. Dumuzi, Astarté. Vous voyez les triades à chaque fois Chez les Babyloniens, Bélus, Tamus, Repha, Ishtar. Réa, Ishtar. Chez les Assyriens, Ninus, Hercule, Beltis. Chez les Grecs, Zeus, Dionysus, Aphrodite, Vous voyez, Hera. Chez les Romains, Jupiter, Bachus et Sibel, Diana. Chez les Égyptiens, Osiris, Horus, Isis ou Hathor. Chez les Indiens, Vishnu, Krishna, Issa, Devaki. Chez, en, en Chine, Pankou, Yi, Engo, Matsopo. Au Mexique, Teotle, Théot, euh, euh, Kersalgote, Goaltigu, je ne sais pas quoi là. Voilà. Euh, et au Scandinavie tout ça, ben voilà, il y a ça aussi. Donc, euh, Obid, Obid ou Odin, Balder, euh, Freya, Disa, Voilà, merci l'équipe. Donc, on, on, on monte la pyramide là. Voilà. Donc, on retrouve, mes amis, vous-même vous voyez, hein, toutes ces triades dans toutes les nations pratiquement. Et c'est, on retrouve ça aussi dans le christianisme. Vous comprenez pourquoi au IVe siècle, au Concile de Nice, l'empereur le, 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 romain et par la suite, Théodose, l'empereur Théodose. Les, ces empereurs ont, mes amis, incorporé ces divinités dans le christianisme pour que le christianisme soit la religion mondiale. Et que chaque peuple retrouve hein, une, nest un, pas, correspondance de ces divinités. D'où la Trinité. Et toutes les personnes qui rejetaient la Trinité. Et qui la rejette sont persécutés. Comme Michel Servet au 17e siècle, un, 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 un réformateur qui a été beaucoup persécuté, au point où Calvin, le réformateur français, va être l'une de des personnes qui était à la base de, sa, de, sa, de, de la mort de cet homme. Il a été brûlé au, au bûcher, brûlé vif. voyez Et c'est terrible, mes amis. Je préfère prier le véritable Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur est Sauveur, le chemin, la vérité, la vie, n'est-ce pas? Il était 100% homme et 100% Dieu. Il est 100% homme et 100% Dieu et il revient, mes amis, il revient rapidement. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui, ce serait pour intervenir par rapport à un passage pour appuyer le fait que Yahweh oui, parle à lui-même, en fait. OK. En fait, j'ai fait une petite prière juste avant que tu donnes ce passage-là. Et le Seigneur ben, m'a donné l'occasion ben, de le partager, donc voilà pourquoi je le partage. Donc c'est dans Genèse 19, enfin Genèse 18, au verset 20. Cacherai-je, c'est ça Entièrement selon le cri qui est venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Donc Yahweh, là, à ce moment-là, il était avec les deux anges, donc c'était bien lui qui était là présentement en face d'Abraham. Mais pourtant, il nous dit ici que lui-même, il descendra pour voir ce qui se passe. Voilà, est Dieu, Dieu est un, effectivement. Et j'aurais voilà, une question maintenant, ce serait par rapport à la parole qui dit. Dans un des psaumes, mais c'est repris dans Hébreu 10, où on nous dit, Hébreu 10, verset, 7, verset 8, après avoir dit d'abord, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni d'offrande pour le péché, tu n'as pas pris plaisir, lesquelles choses sont pourtant faites sur la loi, alors il dit, me voici, je viens de faire au oh Dieu ta volonté. Tu m'as formé un corps. Oui. Voilà, tu m'as ouais, formé un corps. Euh, et je crois ah, que c'est ça. Ce et, bah, là, c'est le côté humain, tout simplement. Donc, euh, le côté humain, et à 100% homme. Et euh, voilà. Donc, euh, et, là, c'est une prophétie. D'abord, à la base, c'est David qui parlait en tant que le, 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 le roi d'Israël. Mais et, prophétiquement, il est question du Messie ici. Et euh, l'homme, le Messie qui parlait, et euh, qui, avait, qui devait avoir un corps humain pour nous sauver, tout simplement. Voilà. Donc, euh, allô voilà, c'est ça. Donc, euh, il, est, euh, il avait un corps, un corps, un corps humain, et aussi, euh, son corps, c'est aussi euh, euh, l'Église, hein, donc tout simplement, le corps de Christ, 1 Corinthiens 13, euh, 12. Okay. Donc, par rapport à ce passage-là, il faut, faut le comprendre comment, en fait Comme quoi, simplement, Dieu s'est formé un corps pour lui-même ou... Tout simplement. Alors là, c'est l'homme qui parlait, l'homme qui parlait. Il parle à alors, en fait. bien, bien sûr. Bien sûr. Et là, prophét... ah, dans le passé, il était question de David, bien sûr, et prophétiquement, il est question du Messie, donc euh, l'homme qui parlait à Dieu, bien sûr, parce que 100% homme il était et 100% Dieu. Voilà. Que Dieu soit béni. Donc, euh, je pense que les frères et sœurs sont beaucoup euh, encouragés et euh, voilà. Donc, euh, qui est Dieu, Jésus-Christ. Voilà. Donc, euh, que Dieu soit béni et euh, mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Donc euh, n'oubliez pas que ce dimanche nous sommes euh, à Bruxelles et euh, ce samedi il y a une journée de la jeunesse à, ici à Évry et euh, Dieu est bon et d'ici le 15, entre le 15 et le 20 nous, sommes, euh, nous allons réceptionner 10 000 exemplaires de la BJC que vous pourrez recevoir de nouveau gratuitement et, euh, et euh, nous bénissons le Seigneur pour tous, toutes les personnes qui prient pour nous, on a besoin de vos prières, couvrez-nous par vos prières parce que le combat est, est rude et euh, voilà. Donc, euh, que Dieu soit béni, enfant de Dieu, il échoue revient, préparons-nous pour le retour du maître. Que Dieu nous garde. Donc, bientôt, on sera là. le 9, nous serons aux Antilles et euh, on mettra la, 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 le slide, donc la banderole, euh, je pense, ce soir ou demain. Et, que Dieu soit béni en tout cas, à tantôt, comme disent les Belges. Au revoir.